Le jaune, la couleur du soleil, c'est ce qu'on a appelé révolution soleil. C'est ce que le full professeur Ngannang a appelé révolution soleil. Professeur Patrice Ngannang, que je salue au passage. Donc j'encourage d'ailleurs les initiatives. C'est un brillant écrivain, c'est un brillant penseur. Mon point de désaccord avec lui, c'est quand il s'attaque à mon président élu. Ça, je suis pas d'accord. On n'y touche pas, le président élu Maurice Kamto. On n'y touche pas. C'est notre leader. C'est lui que nous portons depuis le début de cette lutte. Et s'attaquer à lui, c'est s'attaquer à nous. S'attaquer à lui, c'est s'attaquer à la révolution. On est d'accord sur plusieurs éléments d'analyse. On converge sur plusieurs points, sauf sur deux points. Chacun son boulot. Je suis pas d'accord avec ça. Deuxième point, s'attaquer au président élu. Ça, ce sont mes deux points de désaccord. Bon, que je mette aussi le live en même temps sur YouTube. Merci à ceux qui viennent de me rejoindre dans le live. N'hésitez pas à faire un tour de partage pour inviter le maximum de personnes possible. Le grand Denzel, Valère Capot. Comment tu vas, Valère Capot? Alors que je me connecte sur YouTube. Donc, on va aller progressivement. Je vais aborder le live, n'est-ce pas? Et à la fin du live, je vais donner la parole à ceux qui veulent peut-être dire un mot. À ceux qui veulent dire un mot, n'est-ce pas? Je vais d'ailleurs cliquer si je peux laisser un message à mon frère pour qu'il puisse dire un mot. La dernière fois, il voulait parler, mais je n'avais pas le micro ouvert. Je n'avais pas mon deuxième téléphone pour permettre aux gens d'intervenir. Donc, j'espère que ça va se faire aujourd'hui. Bia, tu vas partir. Bon, je n'étais pas venu vers le 7 parce que je ne pouvais pas. J'ai fait déjà quand même pas mal de sacrifices. J'y étais il y a quelques semaines et j'avais pris une permission à mon lieu de service. Cette fois-ci, je n'ai pas pu l'avoir. C'est notre Ndjokmassi, hein, notre Ndjaka qu'on fait ici, qui permet de payer le loyer et soutenir toutes les factures, payer toutes les factures et tout. Donc, j'ai fait beaucoup de sacrifices pour la révolution. Il y a des moments où je peux, il y a des moments où je ne peux pas. J'ai tout essayé. J'aurais même voulu trouver un collègue de service pour me remplacer. Mission impossible, raison pour laquelle je n'y étais pas. Mais, je me prépare pour les événements à venir. Maintenant, on est au nombre de 57, c'est déjà pas mal. Partagez. Partager et je vais aussi ne pas oublier mettre le lien PayPal pour la vente du bouquin. J'ai eu deux commandes ces derniers jours. Merde, deux commandes qui m'ont sauvé. Un ja. Deux commandes. Ça m'a retiré dans un trou pas possible. Ça m'a sorti un 80 euros. Le gars me veut ma mort ces derniers temps-ci. Ah! Deux bouquins, il y a un qui a payé. Tac, 30 euros. Un des États-Unis, paye 50 euros. Merde. Apparemment, les gens ont l'argent là-bas. Peut-être c'est là-bas même qu'ils veulent partir me chercher. On a un jongle en France, ça avait mis 200 euros, mon frère. On va faire comment on peut s'en sortir dans ce pays. Apparemment, les Américains, là, ils ne blaguent pas. Alors, je crois que c'est là-bas qu'ils veulent partir le tout si. Partagez le live, hein. Salut Sylvie Nucha, Ulrich Marot. Salut, partagez le live, invitez les autres. On va aborder plusieurs sujets différents. Plusieurs sujets différents. Je n'ai pas eu assez de temps pour faire les lives ces derniers temps. Donc j'en profite aujourd'hui pour aborder ce que je n'ai pas pu aborder il y a quelques jours. Hop. Voilà. C'est plutôt. Voilà. Ce qui se passe exactement à Étoudy.
On va appeler ça étourdi. Bon. Le palais qui a été confisqué à la sueur du front des Camerounais qui est devenu la propriété privée de quelqu'un depuis plus de 40 ans aujourd'hui. Il en a fait sa propriété privée au point où on ne peut plus rien dire. Au point où les gens s'organisent pour dire, pour vous attaquer à notre pouvoir. C'est-à-dire que leur pouvoir, c'est-à-dire leur propriété privée. Voilà. Voilà où on en est. C'est-à-dire que 40, après 40 ans de pouvoir, il y a ceux qui s'accrochent encore. Ceux qui s'accrochent. Colin Nana, est-ce que tu peux t'expliquer? Cela ne sert à rien de parler de vacances du pouvoir au Cameroun. Quand c'est Biya qui contrôle toutes les institutions. Bon, qu'est-ce qu'on fait donc? Propose-moi autre solution, Colin Nana. Ça se trouve que Solis Nana a une. Il a quelque chose qui sort de l'ordinaire. Ça se trouve que tu as quelque chose qui sort du lot. On ne sait jamais, hein? Il peut avoir la solution. Nous, on cherche l'unité. On cherche le but. On veut Mbunja. C'est le but qu'on cherche. Donc, si tu as la solution miracle, dis-nous, Colis Nana, comment ça se passe? Qu'on ne parle pas de la vacance du pouvoir. Moi, je pense qu'on doit appuyer sur ces deux-là. Vacance du pouvoir, non au gré à gré. On continue le pouvoir pour le chassement. S'il n'y a pas donc vacance du pouvoir, on fait comment pour installer le président qui a été élu par les Camerounais, Maurice Kamto? On fait comment pour l'installer? Dites-moi. Dis-moi, peut-être tu as la solution, on ne sait jamais, peut-être que tu ne t'y prends pas bien, mais tu as peut-être la solution quelque part, on ne sait jamais. Hein. Propose quelque chose, Collins Nana. Collins, propose. On ne sait jamais. Tu peux avoir la bonne solution, la bonne formule, la formule magique. Mais moi, je pense qu'il faut insister là-dessus. Il y a entre-temps une annonce qui a été faite. Il y a une annonce encore qui a été faite concernant le retour de Paul Biya au Cameroun. Ça fait déjà 3 fois. Cette fois-ci, c'est la 4e fois. Est-ce qu'il y aura encore un bond? Est-ce que Biya va véritablement rentrer au Cameroun? Est-ce qu'il ne va pas rentrer? On ne sait pas. On s'embrouille dans tous les cas comme on peut, mais l'essentiel ici, c'est d'atteindre le but. C'est de Mbunja, c'est de mettre le but dedans, c'est tout. C'est tout ce qu'on attend. C'est le souhait de tous les Camerounais depuis beaucoup d'années. La cible, c'est le but, c'est ça qu'on cible. Bah, peut-être tu as la solution, Collins Nana. Il faut continuer à mobiliser, à faire des actions de sensibilisation pour lever le peuple camerounais. Tu crois vraiment que le peuple camerounais ne s'est pas levé depuis parce que nous n'avons pas sensibilisé, parce que nous n'avons pas mobilisé, parce que nous n'avons pas posé des actions, Collins Nana? Nous avons beaucoup fait à ce niveau depuis 3 ans. En courant les risques les plus fous. Tu as été hospitalisé récemment à Genève. Est-ce que tu n'as pas couru assez de risques comme ça depuis 2018 ou 2019? Donc, maintenant, on attend de voir ce qui va se passer. Il y a le 18, cette réunion-là qui réunit, n'est-ce pas, les présidents au niveau de la CEMAC, n'est-ce pas? Biya annoncé de retour au Cameroun. C'est le vrai Biya, c'est le faux Biya, on ne sait pas tellement il y a eu des choses qui se sont passées. Le Biya qui arrive sur le tarmac de l'aéroport, c'est le même Biya qui est parti quand on a annoncé son départ. Il y a tellement de choses qui se passent. Donc, on attend, on continue les actions, on mobilise, on n'a pas le choix de toute façon, mais on doit mettre l'accent sur le gré à gré. Et je pense que jusqu'ici, ce qui empêche ces gens-là de faire le gré à gré depuis très longtemps, c'est une seule chose. C'est le fait que les yeux du peuple camerounais, de la diaspora, c'est les yeux des combattants. Parfois, on fait comme si ce qu'on fait n'est pas grand-chose. Beaucoup veulent parfois rabaisser, diminuer ce que nous menons comme combat. Mais ils sont nombreux qui ne savent pas que s'il n'y avait pas cette diaspora combattante, il y aurait eu une transition au Cameroun depuis très longtemps. Entre eux, on aurait remis le pouvoir à son fils Franck Biya. La France aurait fait le même coup qu'on fait un peu partout en Afrique pour installer Franck Biya. Mais comme il y a maintenant une diaspora qui est debout, il y a les réseaux sociaux, heureusement, qui arrivent.
La diaspora est debout et ils voient que dans tous les sens, même si on tente ce qu'on veut tenter là, ça ne marchera pas parce que l'une des diasporas qui est debout depuis très longtemps, c'est la diaspora camerounaise. Et en 3 ans, ils ont pensé peut-être qu'on allait faiblir. On n'a pas faibli. En 3 ans, on est toujours là. On tient. On tient. La diaspora tchadienne n'est pas dans les rues tous les week-ends comme nous. La diaspora gabonaise, la transition est passée là-bas depuis très longtemps. Mais au Cameroun, ça reste un cas particulier, très difficile à gérer pour la France et pour ces valets qui sont sur place au Cameroun. On met qui? Ngongo, Chantou, qui dirige déjà le pays depuis un bout de temps. On retire donc le droit de signature à Ngongo. On laisse le pouvoir donc à Franck Biya, qui en réalité n'a aucune expérience en politique, qui n'a jamais dirigé, qui n'a jamais été même au cercle, n'est-ce pas, des décideurs du RDPC à Yaoundé. On fait comment? On gère ça comment? Eux-mêmes sont dans une sorte d'embrouille. Sinon, c'est que depuis, on serait passé à autre chose depuis très longtemps. Il y a cette diaspora-là qui veille à ce qu'il y ait une transition politique au Cameroun normale, dans la paix. Il y a cette diaspora-là qui est mobilisée, qui ne lâche rien. Moi-même, je n'y croyais plus à un certain moment. Je me suis dit, mais c'est très grave avec l'affaire de Corona qui est arrivée. Salut Berlise Rose. Je me suis dit, mais l'affaire là, c'est grave puisque depuis plus de 7-8 mois, on n'a plus fait de véritables manifestations. Il y a eu des mobilisations sur les réseaux sociaux. Il y a eu quelques actions sporadiques. Mais entre-temps, on n'a pas eu une vraie manif sur Paris à cause du Corona. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le 3 juillet, on a annoncé à Paris, 3 juillet, il y avait un monde fou. Je n'en revenais pas. J'ai dit, mais les Camerounais, cette fois-ci, sont décidés. Les Camerounais veulent vraiment le changement. Ils veulent vraiment ce changement. Donc du coup, ça jette un trouble dans le camp de l'adversaire. Ça jette un trouble dans le camp de ceux-là qui sont en train de se battre pour installer le fils de Biya ou pour donner le pouvoir à quelqu'un qui sortira de leur cercle là-bas. Ça peut être a priori ministre de la Communication actuel, René Sadi, comme ça peut être le cercle Ngongo et Chantou. Il y a plusieurs axes. Il y a le vieux de l'autre côté qui a l'œil sur tout ce qui passe. Laurent Nguesso, tous ces gens qui sont là et qui ont du mépris même d'ailleurs pour le premier ministre de nom juste qu'on a mis là-bas. C'est en train de tourner entre eux. Au sein, ça cogite. Et la France est en train de réfléchir sur la meilleure formule à appliquer pour le cas du Cameroun. Parce que ce qui, vous vous doutez bien, marche au Sénégal ne marche pas au Congo. Ce qui marche au Congo ne marche pas forcément au Cameroun. Ça ne marche pas ainsi de suite au Gabon. Donc, il y a certaines formules qui veulent appliquer, mais il y a une diaspora camerounaise qui est debout depuis ce temps-là. Et cette diaspora debout est en train de casser les plans. Cette diaspora debout est en train d'empêcher beaucoup de choses. Raison pour laquelle notre combat doit être respecté. Qui ne le respecte pas maintenant, dans 10 ans, ils vont le respecter. Qui ne le comprennent pas maintenant, dans 5 ans, ils comprendront ce que nous sommes en train de faire, ce combat que nous sommes en train de mener, tous les risques que nous sommes en train de prendre. Ils ne comprennent pas maintenant, ils vont finir par comprendre. On a déjà brouillé toutes les cartes, toutes leurs stratégies. Ils ont cru qu'on allait se fatiguer, qu'on allait se lasser à force de manifester. Non, ça fait 3 ans, les gens ne font que manifester. Et même maintenant, s'il y a le moindre mouvement, on dit rassemblement, place de la République ou rassemblement devant l'ambassade du Cameroun, vacances du pouvoir, non au gré à gré, on annonce le départ de Biya ou bien je ne sais pas, pour une fois, s'ils ont le courage de montrer son cadavre, on ne sait pas trop ce qui se passe. Ben, voilà. Vous allez voir qu'en un temps record, il y aura des centaines, des dizaines, des milliers de Camerounais dans les rues. Au Cameroun comme ici, il y aura la mobilisation. Et c'est à partir du moment-là maintenant que les activistes de la diaspora, puisqu'on ne sera plus dans le combat maintenant pour le chassement, on sera maintenant dans une autre phase du combat qui consistera à non seulement sensibiliser, mais surtout de veiller à ce que ces élections présidentielles anticipées se passent normalement. Sans la moindre goutte de sang, que ce soit une transition pacifique, que la guerre s'arrête aux Nosos, qu'ils intègrent tout le monde, qu'ils organisent un grand dialogue, qu'on se rencontre entre frères et sœurs, qu'on discute. Parmi tous ces éléments-là, il y aura beaucoup de choses à faire, énormément de choses à faire. Donc le combat ne sera plus seulement ce qu'on fait maintenant. On est un peu dans un petit temps mort depuis le 3 juillet. Il y a eu également le 17 juillet à Genève. C'était quelque chose d'assez fort. On a envoyé des messages. Sauf que il n'y a pas en réalité un lien très très fort, un lien historique entre la France et la Suisse. Les députés suisses sont prêts à tout pour accompagner la diaspora camerounaise, les Camerounais globalement, dans leur combat pour la libération de leur pays. Les députés suisses ont déjà joué un grand rôle.
Les députés suisses se sont battus. Il y a eu des journalistes, des associations. Plusieurs là-bas sont dans une sorte d'accompagnement de la lutte que nous menons. Mais sauf que la Suisse et le Cameroun, il n'y a pas de lien historique fort. Comparativement à la France qui est notre, on va dire ça comme ça, ceux-là qui ont dirigé le Cameroun depuis d'ailleurs 1916 jusqu'aujourd'hui. Après, l'Allemagne qui est, je ne sais pas si on peut dire ça, le père fondateur, celui qui a créé en quelque sorte l'État que nous appelons aujourd'hui le Cameroun. Il y a donc un lien très fort entre le Cameroun, la France, l'Angleterre et évidemment l'Allemagne. Ce qui n'est pas le cas avec la Suisse. S'ils pouvaient faire quelque chose, je pense que peut-être ce qu'ils ont déjà pu faire jusqu'à maintenant aurait apporté un plus, vraiment, une portée vraiment significative dans le déroulement de ce méli-mélo et tout ce combat que nous sommes en train de mener, tout ce mélange qu'il y a actuellement entre Yaoundé, sa diaspora, entre eux-mêmes à Yaoundé. Heureusement que maintenant, pour la diaspora, je pense que les choses sont en train de s'arranger. Je pense qu'aujourd'hui, entre combattants de la diaspora, d'ailleurs, moi je suis quelqu'un, je n'hésite pas à tirer, je n'hésite pas à recadrer, je n'hésite pas à dire les vérités ici, à dire les choses telles qu'elles sont, telles que vous me connaissez. Mais depuis un bout de temps, et heureusement d'ailleurs, il y a beaucoup de camarades de combattants qui sont revenus à de très bons sentiments. J'espère que c'est sincère. C'est pour ça que vous ne me voyez pas faire un live pour tirer sur X, tirer sur Y. Je pense qu'il y a un vent, peut-être naturel, un vent ancestral. Il y a une dynamique de l'univers, de toute façon, qui est en ce moment en notre faveur et qui peut permettre, qui peut faire en sorte que bah, d'ici quelques temps, qu'il y ait une vraie mobilisation sérieuse, qu'on se mette ensemble pour parler tous d'une même voix, en vue de porter encore au plus haut cette lutte que nous sommes en train de mener. Ces derniers temps, je ne sais pas si vous l'avez remarqué comme moi, qu'il y a eu, n'est-ce pas, la tension a beaucoup baissé entre les combattants, il y a très peu de clash, il y a beaucoup plus de convivialité, il y a beaucoup plus d'entente, il y a beaucoup plus... cette amitié-là qui renaît, franchement, il y a beaucoup qui étaient avec qui moi-même personnellement j'étais en froid depuis très longtemps. Récemment encore, on s'est reparlé, on s'est pris dans les bras, on s'est dit les choses. Chacun a dit, essayé de dire ce qui n'allait pas. J'ai des gens avec qui j'ai discuté, que ce soit publiquement à Genève. Essayez de. Ils sont en train de signaler, s'il vous plaît. Ils signalent. Essayez, s'il vous plaît, pour ceux qui sont en ligne. Hein. S'il vous plaît, essayez un peu d'envoyer les cœurs. Essayez d'envoyer un peu de likes et tout pour soutenir le live, s'il vous plaît. Parce que là, j'ai eu des signalements. C'est pour ça que ça s'est coupé pendant. Ça s'est coupé pendant quelques secondes. S'il vous plaît, essayez de mettre les likes. Mettez des cœurs. Et surtout, ce qui est très important, faites un tour de partage. Faites un tour de partage. C'est très important. J'étais en train d'expliquer ceci. J'étais en train d'expliquer ceci. Je suis en train de dire que c'est ce que je pense, hein. C'est ce que je pense. On a discuté, on a échangé. Il y a des combattants avec qui je m'entends super bien, ça s'est toujours très bien passé. Vous les connaissez tous. Et il y a ceux avec qui je ne m'entends pas sur certaines choses. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mes ennemis ou bien que je les déteste. Mais je leur dis ceci par rapport à votre comportement que vous affichez. Je pense que dans le cadre du combat, vous n'avez pas du respect pour vos camarades de combattants. Je pense que vous étiez comme ceci hier et tout d'un coup, vous avez beaucoup changé. Il y a des choses qui se passent, mais je n'entre pas dans les détails parce que je ne peux pas dire aux gens, OK, j'ai enterré la hache de guerre avec mon frère de l'Angleterre, le président Claude Dibanque. Demain, je viens encore m'asseoir dans un live. Pour raconter les choses. Non. Si je dis OK, on est OK sur certaines choses, et que moi-même de mon côté, on ne m'attaque pas, parce que moi aussi je suis attaqué, même si moi aussi j'attaque les autres. Faut pas qu'on m'attaque, parce que je pique. Celui qui m'attaque, il sait qu'il va encaisser des coups, d'une manière ou d'une autre. Ça peut être des coups en live, comme ça peut être des coups dans la vraie vie. La personne va encaisser de toute façon. Mais en même temps, je suis quelqu'un qui a le sens de l'honneur et de la parole donnée. Je suis quelqu'un qui sait l'utilité, la portée, la valeur.
L'essence même de ce qu'on appelle la parole donnée. Donc, il suffit qu'on ne m'attaque pas moi-même, je serai calme. Vous ne m'avez pas vu faire des lives pour attaquer les gens. Généralement, ce ne sont même pas des attaques. Je dis des vérités pour rétablir les vérités dans le combat. Ce que beaucoup ne veulent pas qu'on sache, moi je le dis ici. Je prends les risques de le dire. Parce qu'il y a derrière le combat ceux qui se font de l'argent. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Parfois, les gens sont même ignorants, ils disent que celui-là, il crie, ah, il est ci, il est ça. Après, quand ils se rendent compte que ce que je tente de dire est vrai, ils se taisent. Parce qu'ils n'ont pas cette humilité de me dire, ah, cette honnêteté, je vais dire, de me dire, oui, ce que tu disais était vrai. Et malheureusement, on est comme ça. Quand on sait que, ah, mais finalement, il a raison, non, on ne vient pas te dire que, gars, tu avais finalement raison, non. Donc, je pense pour ma part qu'il y a un bon vent. Ces derniers temps entre combattants, j'ai vu même des gens qui ne se parlaient pas, qui se détestaient grave sur les réseaux sociaux, qui ont commencé, n'est-ce pas, à se rapprocher, il y a des, à se réchauffer, des liens qui se réchauffent et tout. Et la mayonnaise a pris. Moi, je suis sincère, je n'ai rien contre mes camarades combattants, hein. C'est juste que sur les méthodes, les façons de combattre, moi, je ne suis pas d'accord avec certaines choses. Je ne suis pas d'accord, n'est-ce pas, qu'on critique ou bien qu'on insulte tel ou tel. Je ne suis pas d'accord qu'on méprise tel en disant c'est moi et les autres ne valent rien. Parce que si on laisse le combat, c'est entre les mains d'une seule personne, c'est clair que cette personne n'en fera rien. C'est tous ensemble. C'est l'ensemble de nos efforts. C'est la convergence de tous ces efforts, de tous ces sacrifices-là, qui va finalement aboutir à la libération du Cameroun. J'en suis convaincu. Quand j'en parle, je parle avec certitude, avec conviction. Et jusqu'au bout, je vais mener ce combat. C'est de ça qu'il est question. Je dis bien jusqu'au bout. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, n'hésitez pas à faire un tour de partage pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Je suis sur YouTube ici. Je vais mettre le chat YouTube. Et n'oubliez pas, je vous ai dit tout à l'heure, il y a le lien PayPal qui est juste là. Essayez de me choper un peu quand même. Oh, je complète sur les 80 euros là. Ça va me faire quelque chose ces derniers temps. Il faut me choper de temps en temps quand même. Le livre est là. Donc, Folie et calvaire des migrants. Donc, essayez au maximum d'avoir ce bouquin, au moins ce point souvenir à la maison. Ça pourra servir à vous. Ça va certainement vous servir, vos enfants, les amis et tous ceux qui rentreront par là et qui toucheront le bouquin. Parce que c'est un chef-d'œuvre, c'est une œuvre d'art qui va survivre au temps. N'est-ce pas? Qui va transcender le temps. Comme le disait André Malraux, l'art est un antidestin. Antidestin en ce sens que tout dans la nature, toutes les civilisations, l'homme même en tant que matière périssable, finit par passer. Mais ce qui finalement va rester, qui va résister au temps, c'est quoi? C'est ce qu'on va appeler ici, c'est ce que André Malraux va appeler l'art. L'art. Et quand il parle de l'art, ici, il parle de l'art, on va dire beaucoup plus globalement ou profondément occidental. Mais pour l'Africain, l'art, c'est encore bien plus que ça, c'est encore bien plus poussé que cela. D'autres disent, c'est pour ça que on dit que le chemin le plus court, n'est-ce pas, pour aller d'un homme à un autre, c'est l'art. L'art est le plus court chemin pour aller d'un homme à un autre. Mais également, l'art est un antidestin. Est un antidestin. Important de le comprendre. Pour l'Africain, l'art, ce n'est pas que seulement l'expression du beau, mais l'art est d'abord utilitaire. L'art est d'abord fonctionnel. Ce que vous regardez, on va appeler chez nous l'art, c'est une représentation physique de ce qui existe dans le monde invisible. Contrairement à l'art européen qui est la représentation du beau, ce qui est esthétique. Il y a une différence fondamentale dans ces deux façons de procéder en matière d'esthétique, en matière d'art. C'est quelque chose de bien plus profond. Mais je ne vais pas vous amener sur un couloir qui est un peu trop loin de ce que je suis en train d'évoquer ici. Donc je reviens sur le terre à terre, sur des choses trop simples, sur ce qu'on était en train de dire. Je parlais de cette œuvre d'art, c'est un chef-d'œuvre. Et ce livre va traverser des générations et des générations, j'en suis convaincu. Je suis fier de mon travail.
Donc, pour ceux qui veulent passer leur commande, la promotion finit bientôt. 20 euros, c'est pour ceux qui sont en France, avec frais d'envoi compris. Et 25 euros pour ceux qui sont à l'étranger. Si vous voulez donner 100 euros pour un exemplaire, pour m'encourager, bah, c'est le bienvenu, hein. Donc, je reviens sur ce que je t'ai en train de dire. J'ai abordé le premier point, même si je vais revenir sur ce point-là à la fin du live. Le premier point, c'était quoi? Mettre l'accent sur ce qui est en train de se passer au palais présidentiel actuellement. Il y a les dernières informations que nous sommes en train de recouper. Il y a des choses qui sont en train de se passer. Et c'est quand on aura réuni toutes ces informations qu'on reviendra donner les informations, qu'on reviendra partager ça avec le public. L'annonce de Biako, vous voyez, qu'il est retourné, qu'il est ceci, qu'il est ça, ce n'est pas une affaire de maintenant. Je vois beaucoup souvent sur la toile qui s'agitent, qui disent que nous avons la primauté de l'information. Nous avons la source, les sources sûres. Nous avons les ceci, nous avons les cela. J'ai un tonton au palais. J'ai quelqu'un qui est au service secret, il connaît toutes ces choses-là. Parfois, ces gens oublient que nous puisons tous à la même source. Mais c'est fait exprès parfois par les gens du système qui parfois pensent qu'ils disent travailler avec nous, les activistes. Parfois, pour brouiller les pistes, ils peuvent donner la même information, mais différemment, selon la personne qui l'aborde. Ce que beaucoup ne comprennent pas. Ils peuvent exprès, n'est-ce pas, brouiller les pistes. Et c'est souvent ce qui se passe. C'est-à-dire qu'ils te mettent sur une mauvaise piste. Tu as l'impression que tu as la bonne information alors qu'il n'en est rien. Et je vais vous le démontrer dans le prochain live que je vais faire par rapport à la venue de Biya, à son départ, à l'échec de son retour et ceci, cela. Je reviendrai dessus. Donc, j'ai regardé quelque chose aujourd'hui. Je suis tombé sur ça. Ça m'a beaucoup intéressé. Je suis tombé dessus, j'étais choqué. En même temps, ça m'a fait rigoler, mais je me dis aussi que c'est triste, très triste d'ailleurs. Pourquoi? Parce que nous avons un beau pays, mais franchement. Nous avons un beau pays qu'on appelle le Cameroun. Très beau pays. Un pays qui a non seulement les ressources minières, énergétiques, mais surtout les ressources humaines, c'est ce qui compte le plus dans un pays. Ce n'est pas le pétrole, l'or, le diamant, non. Le Japon n'a pas toutes ces richesses-là. Taïwan n'a pas toutes ces richesses. Macao, ils n'ont pas toutes ces richesses. Brunei, ils n'ont pas forcément toutes les richesses du Cameroun. Il y a des États, ce qui compte le plus, Hong Kong n'a pas, ou bien la Malaisie, tout ça, ils ont un peu quelques petits trucs là, ça suffit. Ils n'ont pas. Mais la première des choses dans un pays, ce qui est le plus important, ce sont des ressources humaines. Et le Cameroun en a suffisamment. Le Cameroun a des cerveaux sur tous les terrains. Que ce soit sur le plan politique, le Cameroun a les grands experts du monde. Que ce soit sur le plan journalistique, que ce soit sur le plan économique, le Cameroun a les plus grands cerveaux. Et ce n'est pas une histoire qui date d'aujourd'hui. Les premiers, les majors de leur promotion dans les plus grandes écoles de France, des États-Unis, d'Angleterre, c'est une affaire qui est connue depuis très longtemps, ce sont des Camerounais. Castor au sein des Afana, c'est le premier docteur en économie. Au sein des Afana, vous avez les Trindam Pouemi qui ont fait un travail formidable sur le franc CFA avant d'être suivi aujourd'hui par le professeur Nicolas Agbaou et tout ce qui va avec. Les pionniers, les plus grands ici, les Wungling Masaga, c'était les gars qui étaient calés. Les doctorats en mathématiques, ce n'est pas donné. Tous ces gens qui ont donné leur vie pour le Cameroun, dont on se moque aujourd'hui, vous avez des idiots qui sont assis dans les ministères en train de manger, qui n'ont jamais travaillé pour le Cameroun. Non seulement ils sont incompétents. Moi, je suis tombé sur ce message, j'étais très choqué. C'est-à-dire que c'est des échanges entre Camerounais. Je vais vous. Oh là là, j'ai perdu ça. Oh purée. C'était un échange de quelqu'un qui est cadre au ministère, je crois, de l'administration territoriale,
qui a fait un texte incroyable avec des fautes pas possibles dedans. J'ai lu, je n'en revenais pas, cadre au ministère de, je crois, de l'administration territoriale du Cameroun, de notre cher et beau pays, le Cameroun. Mais si vous voyez comment le gars écrit, j'ai dit, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et il est cadre là-bas parce qu'il s'appelle Mbarga. Il est cadre là-bas parce qu'il s'appelle Atana. Il est cadre là-bas parce qu'il s'appelle non. Soyons sérieux. Il y a des moments où il faut être sérieux quand même. Je vais insister dessus parce que ça va être, n'est-ce pas, l'entrée ou le décor de ce que je vais aborder dans on va dire dans la troisième partie de mon life. J'ai dû le laisser ici. Bon, je l'ai ici, j'espère cette fois-ci. Essayez de faire un petit tour de partage, s'il vous plaît. Essayez de partager. Pour ceux qui sont en ligne, il faut encourager en partageant. Quand vous partagez, vous protégez le live. Eric Ndomo, je suis moi-même. Essayez de faire un tour de partage. Donc, voilà donc le document. Vous n'allez pas voir comme ça. Vous n'allez pas pouvoir bien. Vous regardez les rouges qu'il y a dessus là, c'est les fautes, hein. Des fautes d'orthographe, fautes de grammaire et tout ce qui va avec. Il est cadre au ministère de l'enseignement supérieur de notre pays. Cadre. Il écrit ceci. Donc, même Famin Dongo, qui est le ministre de l'enseignement supérieur, ne sait pas si ça sera demain le retour de Biya. Si ça sera demain le retour de Biya ou aujourd'hui. Où on ne sait, bon, ils sont perdus. C'est-à-dire que c'est suffisant, n'est-ce pas, pour que vous compreniez que même ceux qui sont au sein du pouvoir et qui prétendent avoir des informations n'ont pas en réalité des informations. Il y a des gens qui prétendent de maîtriser tout, non. Ceux qui peuvent vous dire exactement où Biya est, ce qu'il fait, c'est un cercle, un noyau très dur, impénétrable. Un cercle fermé, très fermé même d'ailleurs. Je ne suis pas sûr que ses propres enfants soient au courant de tout. Je ne suis pas sûr. Donc, bonjour, chers collaborateurs du ministère de l'enseignement supérieur. Bonjour, chers ici, il termine avec ES. Chers collaborateurs, collaborateurs ici, c'est le masculin. Quand même, il met ES. Pour le retour possible du chef de l'État, possible, c'est-à-dire que rien n'est sûr, c'est un retour probable du chef de l'État demain. Bien vouloir mobiliser vous, collaborateurs, au lieu de vos collaborateurs, vous, collaborateurs, pour que le ministère de l'Enseignement supérieur l'accueille devant notre ministère, comme on l'a toujours fait, et non comme on l'a toujours fait, c'est ce qui doit normalement écrire. Comme on l'a toujours fait. Il va écrire faire avec E à la fin. L'heure nous sera communiquée. Communiquée avec E accent aigu. L'heure, c'est le féminin. L'heure nous sera communiquée avec E muet. Après E, accent aigu. Éventuellement. Alors, en ce qui concerne le respect des ponctuations, c'est une catastrophe. Restons en stand-by, s'il vous plaît. GAPSA. C'est signé en bas, GAPSA. Voilà les gens hein, qui dirigent notre pays. Hein. Des incompétents, des médiocres, des idiots, des feignants, des salopards, des criminels. Ce sont eux qui sont assis là, en train de diriger notre pays. Ils sont assis dans les ministères, ils ont des gros marchés, 50 millions par-ci, 100 millions par-là. Ils bouffent notre argent, ils ont des bureaux partout, ils ont construit, soit ils ont loué des appartements à 400 000 tous les fins de mois, à leur Njomba qu'ils ont partout, partout là-bas. Nous, on est en Europe, on souffre 1 200 euros. On est là, on souffre, on monte, on descend, on souffre. On vend même les livres, on part partout, on lave les assiettes, on se bat. Les gens sont assis sur place au pays. Tous les mois, le gars se tape 50 000 euros. Facile.
50 000 euros, facile. On va travailler ici 30 ans, on n'aura jamais ce qu'ils ont au Cameroun, ce qu'ils peuvent manger en un jour. C'est notre salaire en Europe. Regardez, il est incapable. Cadre du ministère de l'enseignement supérieur. Donc, je vais aborder ici, ça me permet ici là d'embrayer directement sur le troisième point, qui est ce troisième point qui est très important. J'ai vu mon frère, et je le vois depuis quelque temps, beaucoup ne le savent pas, c'est quelqu'un qui a vécu chez les Boulous. Mon frère Christian Ndioko, le brillant combattant que je salue ici. Il a vécu chez les Boulous. Il a vécu à Ebolo-Vamemem. Il a tourné dans cette terre culturelle Fambéti Boulou. Il a tourné là-bas longtemps. Ils parlent même leur langue. Mais c'est un Bamileke qui a vécu un mépris, qui a vécu l'humiliation des Boulous. Pas lui seul, hein, sa famille. Mais je n'entrerai pas dans les détails, parce que si j'entre dans les détails, je ne valorise pas ici le travail de mon grand frère Cyril Kemenyen, dont je vous invite, dont je vous conseille vivement la lecture de son bouquin Brigade anti-Sardina, engagée pour un Cameroun nouveau. Allez le lire. Je l'ai ici. Il m'a dédicacé un exemplaire gratuitement. Je l'ai ici. J'ai tout lu. J'ai dit bien du début jusqu'à la fin. Je vais vous le montrer. Je pense que c'est mieux que je vous montre. Je parle seulement. Faites un tour de partage. Partagez le live. Non, 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 non. Attends. Ne mets pas ton doigt. Hein. Si tu mets ton doigt, ça va. C'est dangereux, mon champion. C'est dangereux, le top tier. J'étais en train de vous dire quelque chose. Faites un tour de partage. C'est très important. Ce livre, c'est un brillant livre. Brillant livre. J'invite même les Sardinats à le lire. C'est un brillant livre. J'invite les Sardinats à le lire. J'invite les Tontinats à le lire. Pourquoi? Il faut le lire. C'est-à-dire que ils sont dans une guerre de communication contre nous. Il faut aussi que nous-mêmes nous ayons des éléments pour nous défendre si on est attaqué. Mais il faut qu'on ait des éléments. C'est de ça qu'il est question. Il faut qu'on ait des éléments. C'est-à-dire que quand tu entends parler des combattants, quand tu entends parler des combattants, tu as l'impression, d'après ce que les Sardinats veulent faire croire, nous sommes dans une guerre de communication. Les Sardinats ici font comment? Ils donnent l'impression que nous sommes des fainéants. Le Sardinat donne l'impression que nous sommes des idiots. Les Sardinats pensent que non, non, on n'est pas intelligent. C'est de la racaille. N'est-ce pas? Pour eux, c'est des sans-papiers. C'est, si vous voulez, c'est des gens sans direction, qui n'ont pas de vie et qui s'ennuient et qui veulent salir en Europe, n'est-ce pas? L'image du Cameroun. Il y a beaucoup qui tiennent ce discours. Mais il est important ici pour chaque combattant d'avoir un exemplaire de ce bouquin. C'est 20 euros pour encourager une telle œuvre. Parce que quand je regarde le travail qui est fait dedans, je dis, mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est-à-dire que ça te permet de comprendre qui est le général Wanto. Moi-même, je ne connaissais pas les combattants avec qui je suis dans le même combat depuis longtemps. On partage tout pratiquement depuis 3 ans qu'on est dans la lutte.
Je dis, du moins, en ce qui concerne la lutte camerounaise, depuis 2018, nous sommes ce qu'on appelle la génération Kamto. Mais je ne sais pas qui est le général Wanto. Ça s'arrête là-haut, mon général, par rapport au combat. Mais il a, en dehors du combat, en dehors de ses faits d'armes, c'est monsieur. C'est là où maintenant, tu puises toutes les informations importantes sur tes camarades de combat. Ça te permet de savoir que, ah, attention, même si les gens ne le disent pas, c'est des gens qui ont un parcours. C'est en cela que c'est essentiel. Parce qu'on essaie de présenter donc des combattants comme étant des voyous, de la racaille, des gens qui s'ennuient, des gens qui n'ont jamais rien fait de leur vie. Quand tu lis le parcours, donc tu te rends compte que le général Wanto, ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a un parcours. Ça va même beaucoup aider les sardinats, quelques idiots, quelques racailles. Vous vous rendez donc compte, Kalibri, ce n'est pas ce que les gens pensent. Ils ont un parcours. Tous ces combattants, il y a la vie dont la plupart des combattants, elle chez nous, tout ça c'est retracé. Vous avez Sandy qui a un parcours admirable. Vous avez Justine Boukam, j'ai été impressionné également par son parcours. Vous avez le parcours de Kamoua la Panthère. Vous avez le parcours. Et donc, ça le même tchat et tout. Et donc, je vais revenir sur mon frère dont j'étais en train de parler, Njoko, qui n'est pas n'importe qui, Njoko Christian. Vous voyez, donc ça vous permet d'avoir quand même des informations essentielles sur les camarades de combat. Là, vous avez Max Senior Ivoire. Vous avez pratiquement, vous voyez, vous avez notre sœur Caroline Pégan qui a un parcours, qui a été élue en France. Beaucoup ne savent pas. Avant de rejoindre la lutte camerounaise, je ne savais pas qu'elle était élue. Elle a été élue en France, dans son parti politique, le MODEM. Elle a été même candidate à la députation en France. Vous avez Général Marcel, vous avez tous ces gens, vous avez le parcours de tous ces. Ça te permet, par exemple, quand j'ai lu, j'étais émerveillé. J'étais émerveillé quand j'ai lu le parcours de celui que pratiquement personne ne connaît dans le combat. Vous le voyez, il porte souvent là. Il y a un truc là, comme on appelle. C'est lui là. Beaucoup vont reconnaître son visage. Pouménien. Jacques Pouménien. Avec souvent le sac là, il dit, oh, cotiser, 5 francs pour les prisonniers politiques, 2 euros, mettez seulement dedans, 3 euros, mettez seulement dedans. Vous ne savez pas qui c'est. Vous ne savez pas qui c'est. Donc, ceux-là qui veulent nous présenter comme étant des idiots, des personnes égarées, vous avez ce genre de bouquin, un travail intellectuel, un travail profond qui permet de retracer. Son histoire est une histoire qui m'a fait couler des larmes. J'étais dans mon coin, j'ai dit, mais waouh! À Bruxelles, encore, on était ensemble, je suis allé le rencontrer, je lui ai dit, mais j'ai lu ton histoire. Il me dit, ce que tu as lu dans le livre, ce n'est pas une blague. C'est là où il me dit, voici, 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 voici. Des stigmates. C'est que ce n'est pas. Dans un truc. Ce n'est pas parce qu'il crie 2-2-0, 3-3-0, mettez ici pour les prisonniers politiques que lui, vous connaissez comment le Bamileke fonctionne, l'humilité. Ne l'attaquez pas à ce niveau, vous allez vous rendre compte que c'est quelqu'un d'autre. C'est pour ça que les bouquins comme ça sont intéressants. Je l'ai lu avec beaucoup de passion, ça fait 300 quelque chose de pages, je l'ai bouffé en quelques jours. Vous voyez, vous avez le parcours admirable de Marcel Tanguay, que j'ai lu à l'intérieur, je me suis dit, mais c'est super. Le parcours de tous ces gens-là. Hein? Les Hugues Semaux, tous ces gens, tous ces combattants, vous avez la vie de ces brillants combattants à l'intérieur. Ils sont nombreux qui ont un parcours. C'est important, c'est pour ça qu'on vous dit, lisez, 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 informez-vous. Il y a des gens qui ont lu mon bouquin, ils ont pris mon bouquin comme ça. Non! J'ai lu 20 pages, j'ai lu 30 pages. Lis-le jusqu'au bout. Parce que des fois, ce qu'il y a de plus intéressant, c'est vers la fin du bouquin. Prends le temps de le lire. Va au bout de la lecture. Donc, ça me permet ici d'aborder cette partie très intéressante. Je vais donc m'adresser ici à mon frère, Djoko Christian. Ce que tu fais est bien. Ce que tu fais est appréciable. C'est admirable. Tu es dans la sensibilisation du peuple Bétiboulou. Pour dire non, mes frères, reconnaissez-vous même que
70% des cadres administratifs viennent de là-bas. Pourquoi vous voulez le nier? Non, mes frères, Betty Boulou, il faut qu'on change ce pays. Non, mes frères, il faut qu'on fasse ensemble ceci, cela. C'est bien ce qu'il fait, hein? Mais moi, je prends le sens opposé, la direction opposée. Les Betty Boulou ne sont pas comme. Ils savent très bien ce qu'ils font. Je recommence cette partie, c'est très important. Ce n'est pas parce que tu sensibilises ceux-là qu'ils vont changer. Le Betty Boulou ne changera pas. Le pouvoir en Afrique, je dis bien, le pouvoir en Afrique est d'abord à la base communautaire. Je fais bien la différence ici avec communautariste. La base, elle est communautaire. Il y a des gens qui soutiennent Paul Biya parce que c'est le frère du village, c'est tout. Comme il y a des gens qui soutiennent Kamto parce que c'est le frère du village. Mais sauf que quand il s'agit de la chose de la République, on doit partager tout ça ensemble parce qu'on est fils de cette même terre. La base du RDPC, tout ça là, ce sont les Betty Boulou. Tu ne peux pas, toi, en tant que je ne sais pas, Bamileke, penser que tu peux aller à Ebolova, mener une campagne du MRC et convaincre les gens à détester leurs propres frères. C'est impossible. Ne rêvons pas longtemps. Même si on le fait, quand ils vont dans l'urne voter, vous n'êtes pas avec eux. Il y a ce qui prend le dessus. C'est la base tribale. Les gens votent en Afrique pour des raisons tribales. Les gens votent en Afrique pour des raisons religieuses. Nous, on n'est pas comme ces grandes nations qui ont 200 ans, 300 ans d'existence. Ce n'est pas pareil. Chaque Camerounais, avant d'être Camerounais, appartient d'abord à un village. Et pour d'autres pays africains, c'est même encore plus grave. Parce que lui, avant d'être d'abord malien, avant d'être, je ne sais pas, Sénoufo ou Bambara, il est d'abord musulman. C'est-à-dire qu'il met l'islam d'abord au-dessus même d'abord de son propre pays. Au-dessus de son propre continent. Moi, je suis Camerounais. Je suis Bamileke. Mais avant d'être Camerounais, je suis Bamileke. Mon peuple existe avant la naissance de ce qu'on va appeler aujourd'hui Cameroun, qui n'est qu'une nation créée récemment, qui n'est qu'un pays créé récemment, qui n'est pas véritablement une nation. C'est un agrégat d'individus qui essayent, n'est-ce pas, de vivre ensemble. Mais d'un point A à un point B, un point, du point C à un point Y, les gens ne pensent pas forcément de la même façon. Vous avez vu Alpha Condé en Guinée-Conakry? Alpha Condé a tenu un discours clair, alors qu'il a vécu et étudié ici en France, où il n'y a pas des affaires des tribus. Mais quand il arrive en Guinée-Conakry, il change de tactique. Il sait qu'ici, ça ne marchera pas comme ça. La base, l'écrasante majorité, la base de son électorat est Malinké. Et il a dit de façon claire. Un Malinké qui ne me vote pas, moi, Alpha Condé, celui-là est un traître. Et vous voyez en face son adversaire politique, c'est Lou d'Alain Diallo qui est Peul. Mais la base de son électorat, c'est des Peuls. C'est des Peuls. Mais quand il s'agit de l'intérêt supérieur de la nation, ils se mettent ensemble. Mais quand il s'agit maintenant de se mettre ensemble, je vais dire quand il s'agit de voter, mais les gens votent pour d'autres raisons. Mais si la Guinée-Conakry est attaquée, Malinké, je ne sais pas, Forestier et les Peuls et autres, ils vont tous se mettre ensemble pour défendre leur pays. Parce que c'est ce qu'ils ont de plus important. C'est parce que c'est ce qu'ils ont de plus précieux. C'est cet héritage-là. C'est la Guinée. Comme pour le cas du Cameroun. Vous allez aller là-bas dire à un Boulou qui ne vote pas Paul Biya, qui vote un Bamileke, ça ne marche pas dans vos têtes. Un parti politique, lui, doit être implanté partout sur le territoire, je suis d'accord. Mais ne croyez pas que vous pouvez aller dans l'ère culturelle. J'appelle ça comme ça. C'est l'ère culturelle Fambéti Boulou. Vous n'allez pas aller là-bas convaincre les gens de voter pour un Bamileke qui va venir là-bas retirer leurs frères du pouvoir. Parce que n'oubliez pas, il profite de ce système-là, de près ou de loin. Même si ce n'est pas lui qui va manger, il a certainement ses enfants qui sont au quartier. L'oncle de la tante de la cousine d'eux. Il part seulement là-bas rencontrer, il lui dit, voilà mon fils qui est au quartier, qui ne fait rien. Le lendemain, on prend son nom, on l'envoie dans l'armée. Là, il a profité du système. Il a profité de la proximité sociologique. Oui, il a profité de ça.
Ce n'est pas un hasard c'est pas un hasard que tous ceux qui sont tués là-bas dans le Nozo, c'est en Balmayo, c'est en Mbelima, partout qu'on est en train de les enterrer. Pourquoi on ne les enterre pas, je ne sais pas, à Douala ou à l'Ouest ou bien dans le Grand Nord. Mais c'est que la base de l'armée du Cameroun, 70% des postes clés et même des postes même qui ne sont pas des postes clés, voilà. La plupart des préfets, tout l'Ouest Cameroun, il y a 48 préfets et sous-préfets, 48. Il n'y a que deux Bamileke dans tout ça. Un préfet Bamileke dans tout l'Ouest. Hein. Et un encore qui est sous-préfet, les deux. Dans tout l'Ouest, il y a 48. Mais ceux qu'on a envoyés là-bas, c'est des nouveaux colons. C'est pour ça que j'ai dit le problème, c'est les Français. En deuxième position, c'est les Boulous. On ne se cache pas pour dire ça. Ceux qui sont derrière, qui vous disent n'importe quoi, ça, c'est leur problème. Moi, j'ai dit, c'est les Boulous. Il faut bien préciser ça, c'est les Boulous. Et dans leur grand cercle là, Fambéti, Boulou, tout ce que vous voulez, il y a des Ewondo, il y a ce qu'ils appellent toutes les fédérations, quoi, et Kam. Il y a des Boulou, il y a des, comment on les appelle, les Étones, et tous ces gens-là. Ne croyez pas que eux là aussi profitent directement autant que les Boulou. Même entre eux, il y a une guerre parce que le Boulou est le suprémaciste qui s'est mis au-dessus et qui écrase les autres. Ça, c'est entre eux. Même quand ils font leur guerre entre eux, le Boulou connaît sa place. Les Wondo connaissent sa place. Les Tones connaissent sa place. Mais tout cela, c'est les gens, c'est les patates des mêmes sions. J'appelle ça comme ça. C'est le Boulou. Et j'en parle dans ma propre famille à Rengono. Mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ne croyez pas que c'est en sensibilisant, en disant que mes frères Boulou changeront. Non, ils ne changeront pas. Il faut tout simplement dégager bien, point. On reconstruit le Cameroun. Les sentiments de ce que leurs sentiments, ça ne nous intéresse pas. Ce que les Boulous, tout ça, veulent penser, ça, c'est leur problème. Ils ne sont pas contents quand Ganan met sur son poste moins un Boulou, moins deux Boulous, moins 10 Boulous, moins 11 Boulous. Les anglophones sont en train d'écraser de l'autre côté. Ils écrasent qui majoritairement? Ben, ceux qui ont profité de la proximité sociologique pour être au sein de l'armée sans niveau. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On ramasse tous ces gens, on dit, allez là-bas combattre les anglophones. Ils sont en train d'être massacrés là-bas. Ceux qui sont dans le sentiment, ça, c'est leur problème. Ce n'est pas parce qu'on sensibilise là-bas qu'ils changeront. Ce n'est pas parce qu'on tient les discours en disant que, non, mes frères Boulou, il faut qu'on bâtisse le Cameroun ensemble. Il y a ceux qui disent, il y a une femme qui est venue me dire sur mon poste, quand j'ai dit hier, yeah, le problème, c'est les Boulou. Il faut pas passer par 1000 chemins. C'est les Boulou. Donc, tous ceux qui tournent là, ça, c'est pour eux. Je ne suis pas dans le sentiment. Si quelqu'un sent qu'il est mon ami, il est Boulou, il n'est pas content parce qu'il a dit ça, qu'il me dégage de la liste de ses amis. C'est aussi simple que ça. Je vois seulement 75 partages. On est en ligne plus de 140 tout à l'heure, là. Partagez, partagez, partagez. Partagez. Et le bouquin est là, j'ai bien précisé pour ceux qui sont intéressés. J'ai dit ceci. Vos leçons de morale ne m'intéressent pas. Je dis bien, c'est les colons français et les Boulous le problème. Il y a une dame qui vient me dire, le Cameroun est un et indivisible. Je lui réponds en bas. Qui vous a dit que le Cameroun était un? Qui t'a dit que le Cameroun était un? Au point où aujourd'hui ils disent, le Cameroun est un et indivisible. Vous forcez les gens à se marier à vous. Vous forcez le mariage. Quand on dit les séparatistes anglophones, les anglofous, les Biafra, les Ambazo, les ceci, on les méprise. Je rappelle que l'essentiel de l'économie du Cameroun, ça vient de cette zone-là. Et je rappelle que ceux-là, avant de rejoindre ce qu'on va appeler maintenant République du Cameroun, c'est des gens qui avaient déjà une base. Ils avaient leur pays. Ils développaient déjà leur pays. Ils avaient un aéroport. Ils avaient un port, ils avaient un drapeau, ils avaient une monnaie, ils avaient un président élu. L'une des rares fois dans l'histoire de l'Afrique que ça arrive. Élections libres et transparentes. Ils avaient leur patrimoine qu'ils avaient protégé et ils continuaient leur chemin jusqu'au jour où on a dit que bon, maintenant, les suprémacistes francophones sont arrivés. Ils ont dit que non, il faut qu'on fasse le mariage.
Le gentleman agree, c'est passé. On a forcé les gens à se marier. Maintenant, ils disent qu'ils veulent divorcer. Je ne suis pas d'accord pour ces divorces. Parce que moi, en tant que panafricain, panafricaniste, je sais que se diviser va davantage fragiliser les pays africains. Il faut plutôt qu'on se mette tous ensemble pour parler tous d'une même voix. Diviser, c'est fragiliser. C'est pour ça que je peux être pour tout, mais je peux être pour le fait que les anglophones, de façon légitime, se défendent contre les agresseurs, contre la milice Boulou. Ce n'est pas l'armée du Cameroun, c'est une milice qui est là pour défendre les intérêts des Boulous. C'est tout. Quand les massacres, qu'ils réagissent, je suis d'accord, c'est une légitime défense. Mais dans leur projet maintenant de se séparer définitivement et créer leur État qu'ils appellent Ambazonie, je ne suis pas d'accord, je l'ai toujours dit. Mais il ne faut pas penser que parce que les Boulous sont ce qu'ils sont, on va aller les sensibiliser de l'autre côté, ils vont changer. Le Boulou ne changera pas. Pour eux, que Biya reste là-bas encore 50 ans. Et pour eux, leur souhait, j'ai mes amis qui sont Boulous avec qui je ne me parle plus aujourd'hui. Leur souhait, c'est qu'après Biya, ce soit toujours un autre Biya. Qu'on mette même son fils là-bas, Franck, qu'il fasse encore 50 ans pour qu'il jouisse des mêmes privilèges. C'est là où la guerre civile va donc commencer. C'est là où le pays, là, ça va partir en cacahuète. Jusqu'à présent, les choses sont encore calmes parce que nous, on veut une transition pacifique. Mais attention, si dans ce pays, on annonce un matin, il y a un faux coup d'État qui a été fait par l'armée, comme c'est ce qui est en train de se mijoter en ce moment, le scénario tchadien veut être appliqué au Cameroun depuis. Mais comme il y a une diaspora qui est debout, ils ne peuvent pas faire la même chose. C'est-à-dire que on fait semblant un matin, un général a fait un faux coup d'État, blablabla, on a écarté Biya. Et voilà, son fils, entre-temps, tient le discours pour rassurer tout le monde de ce qu'il y aura une élection libre et transparente. Mais entre-temps, il doit d'abord gérer le mandat de son père jusqu'en 2025. Il promet même aux gens qu'en 2025, il va certainement laisser le pouvoir. Il ne va pas se porter candidat. On va respecter la Constitution et blablabla. Comme c'est ce qui s'est passé au Tchad. Les succès Masra et tout ça. Aujourd'hui, c'est terminé. Le petit a pris le pouvoir. C'est terminé. Il va rester là encore 50 ans. Il va perpétuer ici la dynastie des Agawa, qui était là depuis 30 ans, qui avait tous les privilèges. Ceux qui ne sont pas contents, c'est leur problème. Je tiens mon discours de façon claire, c'est les Boulous. Il y a quelques-uns parmi eux, quelques rares Boulous qui ont conscience que ce qui se passe là, en réalité, ça se passe comme ça. Pourquoi? Parce que nous, Boulou, nous avons décidé de maintenir notre frère. Ils disent seulement que non, tout le monde souffre au Cameroun. Ok, puisque vous souffrez, pourquoi vous ne vous plaignez pas donc? Oui, nous aussi, on souffre comme vous, mais plaignez-vous. Rentrez donc dans la danse avec ceux qui sont en train de se plaindre ou se plaindre ensemble. Non, ils ne le feront pas. C'est par hypocrisie. Ils savent très bien ce qu'ils font. C'est de la ruse. Ils savent que le système qui est en place là ne les arrange pas. Mais ils ne sont pas prêts à dégager le système. Du moins, ils ne sont pas prêts à se joindre à ceux-là qui veulent dégager le système. Simplement parce que c'est le fils du village. Si on veut ça monte, que ça descende, c'est mon frère qui a étudié. Étudié, c'est dans mon village et ça ne changera pas. Un Bamileke ne sera jamais président ici, chez moi. Bon, on peut laisser Yaoundé là-bas, on crée une autre capitale ailleurs. La place la mieux placée, même pour être la capitale du Cameroun, c'est Ngaoundéré qui est le centre du pays. Quand on dit Yaoundé centre, Yaoundé n'est jamais au centre du Cameroun. On prend une position claire là-bas, dans Ngaoundéré, on crée la nouvelle capitale du Cameroun, on construit tout là-bas, on construit. On dit Yaoundé, restez là-bas. Moi-même, j'irai prendre ma place quelque part en Ngaoundéré. D'ailleurs, que j'adore le Nord Cameroun, c'est quelque chose qui me fascine jusqu'à aujourd'hui. J'ai des projets là-bas, des trucs, des tournages et plein de choses que nous allons faire. Il y a l'espace, le paysage du Nord Cameroun, mais c'est quelque chose de. C'est impressionnant, c'est quelque chose de. De puissance, c'est quelque chose de non, esthétiquement. Quand tu passes là-bas, il y a quelque chose qui te frappe. Le Nord Cameroun, mais. Je dis, mais quand j'étais en train de faire mon voyage, j'étais dans le train, je regardais, j'ai dit, mais attends, c'est si beau comme ça, on n'a pu rien faire sur ces endroits. Vous voyez des endroits naturellement. D'un côté, vous avez ces tout plats. Un autre, le relief, ça change, ça devient des zones de petites montagnes. Vous retombez de l'autre côté sur une savane avec des animaux qui traversent pendant que vous voyagez, mais c'est un spectacle pas possible.
Moi-même, je veux des terres là-bas. Je veux prendre là-bas, je m'installe. Je prends des terres, c'est mon pays. Partout où je pars, je dois me sentir Camerounais chez moi. Chez moi, au Cameroun. Sans oublier que l'Ouest Cameroun. N'est-ce pas? Bon, maintenant, je vais tomber sur l'autre sujet. Parlant de notre frère à qui je rends hommage ici, le frère Kamidi qui a été tué à Bafang. Il y a donc des gens qui viennent dire, oh, on l'a d'abord tué, pourquoi? Dites la vérité aux gens. Oh, pourquoi on l'a tué? C'est-à-dire que quand moi je suis en train de dénoncer l'assassinat, quelque chose de volontaire, il y a quelqu'un qui tente de m'expliquer que, ah, il faut d'abord dire la vraie version. Un peu comme pour dire que il est mort parce qu'il a fait une bêtise. Mais attends. On est en train de régler un problème foncier. C'est un problème familial qui peut se régler non seulement au sein de la famille par le chef de famille, mais par extension, ça peut même se régler à la chefferie. Les sociétés bamiléké sont très bien organisées à ce niveau. Ce n'est pas aujourd'hui qu'un problème foncier arrive à l'ouest du Cameroun. Tout ça a toujours été réglé de façon endogène. On a nos solutions à nous pour régler tous ces problèmes-là. On a nos solutions. Il y a eu maintenant les nouveaux colons qui arrivent, qui bafouent donc l'administration traditionnelle et qui veulent imposer ses lois. Le gars, c'est un homme, c'est un gars prêt, un gars déterminé à aller au bout. Il estime que c'est sa terre. Personne ne doit lui arracher sa terre. Il fait ce qu'il a à faire, quitte à mourir pour ça. Des embrouilles commencent donc entre eux. Les colons donc arrivent. Et voilà, ça part en couille. Mais celui qui sort l'arme pour tirer, si tu n'as pas l'intention de faire mal, quelqu'un qui a une machette, toi tu as un fusil, tu n'as même pas besoin de tirer. Il suffit de sortir ton arme. Lui, il a une arme blanche. Toi tu as ton arme. Ton arme, c'est... ta machette, c'est une arme par destination, comme on le dit dans le jargon des agents de sécurité. La machette n'est pas fabriquée pour tuer. C'est pour couper une orange, c'est pour couper un bois. C'est une arme par destination. Mais ton arme, c'est une arme par nature. C'est-à-dire, ça a été fabriqué pour tuer des gens, pour tuer des animaux, pour tuer tout ce que... Ça a été fabriqué pour détruire. Donc, quand quelqu'un a une machette, toi, tu as l'arme, même si c'est une arme factice. Dès que tu montres sur lui comme ça, tac, haut les mains, il va lâcher sa machette. Il va lâcher. Parce qu'il sait que, en face, il suffit d'une seule balle, c'est terminé. En plus, il est loin. Il suffit de dire haut les mains, il va déposer. Ou alors, au pire, s'il est menaçant, tu peux tirer sur sa jambe pour le neutraliser. Tu peux tirer sur la main qui porte la machette. Tu es formé, non? Ok. Mais tu n'as pas besoin de lui mettre une balle dans le cou. Mettre une balle dans la tête. Ou mettre une balle dans le thorax. Ça veut dire qu'il a l'intention manifeste de tuer. Tu veux l'éliminer. Tu veux le tuer. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Alors, il y a des gens qui trouvent des moyens pour justifier l'injustifiable. Qui veulent justifier tout et n'importe quoi. Je dis, mais c'est pas possible. Permettez-moi, j'ai fait une vidéo tout à l'heure. Je veux la partager sur YouTube. Non, j'ai téléchargé sur YouTube. C'est une très belle vidéo. Je vous conseille d'ailleurs à la fin du live de l'ouvrir. Je vais le partager à l'instant même. On va dire ça comme ça. Sur la réforme de la spiritualité, mais pas de la spiritualité, de la religion traditionnelle africaine. C'est une très très belle vidéo. Donc, on continue donc.
Tu n'as pas besoin de le tuer. Tu n'as pas besoin de tirer à partir du haut, non. Tire au niveau même de ses jambes pour le neutraliser. Il va certainement perdre une jambe, mais il restera en vie. Il va perdre un bras, mais il restera en vie. C'est mieux d'être en vie et être manchot que de mourir. Il n'avait que 24 ans. Un jeune qui se débrouille. Mais il a tiré sur lui, pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est en terrain conquis. Il a tiré sur lui parce qu'il sait qu'il est chez un peuple qui a été dominé. Il a tiré parce qu'il sait que lui, il est issu du pays organisateur, ou du moins, même s'il n'est pas directement sorti du pays organisateur, il a des ramifications et il est protégé par le pays organisateur, Boulou. Il sait qu'on va le protéger. Maintenant, il a tué, il a fui. Donc, du jour au lendemain, tu es dans une ville avec les gens. Alors que ta vie n'était pas menacée, alors que tu n'étais pas en danger, tu as tué un enfant cadeau. On va t'exfiltrer dans une voiture banalisée pour t'affecter quelque part, je ne sais pas, dans le nord, ou t'affecter quelque part, je ne sais où. Une ville, tu as été pendant des années. Tu vas la quitter comme ça en fuyant. Tes enfants sont certainement scolarisés là-bas. Tu as une femme là-bas. Tu as un chez toi où tu as tes documents, où tu as tes trucs importants, tu as ton lien avec tes voisins, tu as les liens avec la ville, tu as les liens avec tout. Du jour au lendemain, tu t'en vas comme ça parce que tu as décidé de tuer quelqu'un genre. Quelqu'un qui plus est ne t'a pas fait, ne t'a pas menacé. Il n'était pas sur le point de te tuer. Ou peut-être on peut dire que tu étais en légitime défense. Parce que il faut bien le savoir. Tout homme tend à la mort de l'autre quand il risque sa propre vie. Tout homme tend à la mort de l'autre quand il risque sa propre vie. S'il peut te sacrifier pour rester en vie, il le fera. C'est l'instinct de survie. Il est en légitime défense. Pour le cas où il serait attaqué. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais il sait que s'il tue un BAMS, ça n'ira nulle part. Demain, on va l'affecter peut-être, je ne sais pas dans quelle partie du Cameroun. Il ira là-bas encore faire les mêmes choses. À Bafoussam, on a tué un jeune étudiant. Là où c'est gendarme qui a gendarmé, quoi, je ne sais plus, qui a tiré sur le jeune là qui est mort comme ça. Cadeau! Mais quand elle se couche sur son lit, elle voit, elle a ses enfants. Mais de l'autre côté, elle a endeuillé toute une famille. De l'autre côté, elle a rendu une maman comme elle triste pour le reste de sa vie. Je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête. Quand ils commettent ce genre d'acte. Vous comprenez ça? Ils le font pourquoi? Bon, j'ai donc posé la question sur ma page Facebook ici. Si c'était donc un gendarme ou un policier bamileke qui partait comme ça en service à Ebolova et tirait sur un boulot, vous imaginez ce qui se serait passé? Vous imaginez la suite? Un Bamileke en plein cœur du pays Boulou, qui prend l'arme, il tire sur un Boulou. J'ai tiré ma conclusion. Il ne serait jamais sorti là-bas vivant. On allait le tuer le même jour. Mais on peut faire la même chose à l'ouest. Imaginez un enseignant Boulou, comme on avait tué notre frère Tchakounté. L'enfant prend l'arme comme ça, il vient, un couteau, il poignarde un enseignant avec l'enseignant tombé, il meurt. Un Bamileke fait ça à un Boulou, et chez le Boulou. Vous imaginez ce qui va se passer? Disons-nous la vérité. Ceux qui font encore ça, ils tournent parce qu'ils veulent protéger leurs amitiés, leurs relations avec le Boulou. Ça, c'est votre problème. Je n'ai rien à protéger. Rien à foutre. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et quand je le dis, je ne m'attaque pas à quelqu'un. Je ne m'attaque pas à une tribu. Non, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est les Boulous. C'est les Boulous. Ce sont eux-là. Ce sont ces gens-là. Ce sont ces suprémacistes. Ce sont ces gens qui se croient au-dessus du Cameroun. Ce sont eux. Faut pas passer par mille chemins. Je le dis, hein, dans ma propre famille, il y a un bonhomme. Mais ils le savent, quand je vais dire les choses, je ne passe pas par mille chemins.
C'est vous qui avez détruit le Cameroun avec la France. C'est vous. Et ça continue encore en 2021. Ça continue. Il ne faut pas se cacher pour le dire. Je le dis depuis des années. Donc, maintenant, ce cas, ça m'a touché. Hein. Ça m'a fait mal. Et entre-temps, vous avez les Bamileke en tomate qui se lèvent. Ils ne se sentent pas concernés. Il va qu'à leurs occupations. Hein, chacun s'en fout. Ah, on l'a tué. C'est lui qui a cherché, non? Celui qu'on a tué là. Demain, ça peut être toi. Celui qu'on a tué, si quelques minutes avant on lui disait qu'il allait mourir de cette façon, il n'allait pas accepter. Celui qu'on a tué là, si on lui disait que va te battre à Yaoundé pour chasser Paul Biya, il n'allait jamais le faire dans sa tête. Je ne me sens pas concerné. Biya peut faire là-bas ce qu'il veut. Biya peut faire à Yaoundé ce qu'il veut, je ne me sens pas concerné. Sauf que le malheur est venu te trouver loin à Bafan, qui est loin de Yaoundé d'ailleurs. Mais ce malheur est venu te trouver là-bas. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que ça peut arriver à tout moment et partout. C'est de ça qu'il est question. Donc, les Bafans, maintenant, quelle a été leur réaction? Ils ont porté le corps, ils sont allés déposer sur la nationale numéro 5. Ils ont bloqué la route. Donc, tous ceux qui partaient de l'ouest pour Douala, les voyageurs et tout, ne pouvaient pas. Mais ça, c'est parce que c'est des Bafans qui l'ont fait. C'est le fief de la révolution à l'ouest. Pour l'instant, du moins, pour cette révolution, pour cette résistance que nous menons. Le fief. C'est parce que c'est des Bafans courageux. Si c'était à Tcham, on ne peut rien attendre. Si c'était quelque part dans l'ouest profond, on s'en fout. Depuis que ça se passe là, vous n'avez pas vu ailleurs les gens se mobiliser, non? Ce qu'ils ont fait là à Bafang, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel ce qu'ils ont fait à Bafang. Ce n'est pas arrivé, ça fait très longtemps à l'ouest du Cameroun. Bloqué comme ça, comme ils l'ont fait. C'est parce qu'ils ont quand même ce sursaut d'orgueil. Ils se disent, merde, ils ne peuvent pas venir nous faire ça sur notre terre et on les laisse. Et si on arrêtait le gendarme et l'autre, on allait les tuer. Et ce serait beaucoup mieux comme ça, comme au Nigeria. Il y a encore certaines choses qu'on fait au Cameroun aux gens. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un pays où il y a des règlements de compte. Le Cameroun, c'est un peu genre, ah, on te fait du mal, tu acceptes. On t'écrase, tu acceptes, tu fais avec. Au Nigeria, tu vas prendre un colonel dans l'armée, colonel, tu lui donnes l'arme. Tu dis, va tuer quelqu'un qui n'est presque rien là au quartier. Va le tuer. Il va te dire que je ne peux pas. Pas parce que lui, il est pour la justice. Hein. Parce qu'il sait que s'il tente, ça retourne sur lui. Si ça ne retourne pas sur lui, on kidnappe sa famille. Ils le savent. C'est un pays des règlements de compte. Ça ne rigole pas comme ça. Tu peux venir, tu prends l'arme tôt, tu mets dans la tête de quelqu'un. Ce n'est pas un problème. Soit la famille de celui-là, soit, ils ont leur réseau, ils savent comment ils font des choses. Tu vas entendre un matin, tes enfants sortaient de l'école, à la sortie de l'école, kidnapping, on met dans une voiture, direction inconnue. Tes grades de général, colonel, tout ce que tu as là, tu te mets au lieu de service, tu trembles comme ça. Parce que derrière, ça ne rigole pas. Tu peux prendre le doigt de quelqu'un. Lui, de son côté, il prend ta tête. Ou il prend la tête de ta femme à la sortie d'un marché. Bah, kidnapping, on s'en va avec. Mais c'est parce qu'au Cameroun, encore là, au niveau où on peut venir comme ça, on décide de finir avec toute ta famille. L'autre est là, comment il regarde. Si en retour, les déchets de vie, c'est ces erreurs de créatures que je vois qui sont dans l'armée, qui menacent les gens, qui tirent partout sur les gens. S'il y avait eu ne serait-ce que le retour, c'est qu'ils ne font pas ce qu'ils font. Il y a des gens qui se croient tout permis. Mais le moment va venir, ils vont payer. Un à un, ils vont payer, qui ne se dérange pas. Ils vont payer. Ils vont payer. Non, laisse le haineux là souffrir encore quelques minutes. Parfois, comme ça, il ne faut pas juste regarder les noms. Hein.
Faut pas seulement regarder les noms, surtout que quand c'est, j'attire votre attention, surtout quand c'est des faux profils comme ça. Vous voyez un Vondoncolo et vous ne voyez pas le visage, vous n'êtes pas très très sûr du visage, tout ça. C'est parfois même, c'est des gens qui créent des faux profils comme ça, ils se mettent derrière pour insulter. Parfois, vous voyez, ça peut être un Bamileke lui-même. Hein. Parfois, peut porter des faux pseudos, il va sur les trucs des Sardinats là-bas, il balance des commentaires, des insultes. Comme tu vois, le boulot prend un faux truc. Beaucoup souvent font des trucs comme ça, des provocations qui n'ont pas de sens. Qu'il soit un Sardinat, qu'il soit un Tontinat, qu'il reste là et qu'il souffre d'écouter tout ce que je suis en train de dire comme vérité. Donc, je suis en train de dire ceci. C'est parce que c'est des gens courageux qui l'ont fait. Abafan, il ne rigole pas avec ces choses-là. Il y a eu la manifestation. Les Bafan ont décidé, on n'arrête personne ici et personne n'ira à Yaoundé. Et personne n'est parti à Yaoundé. À Bouda, on a ramassé, on a mis de la renvoyer. Partout là-bas à l'ouest, on a ramassé des gens qui manifestaient, on a envoyé à Yaoundé. Ils n'ont rien dit. L'autre pas fait son bensikine, l'autre pas vend ses tomates, l'autre sort, il va au champ, l'autre je te dis, ah, ça n'arrive qu'aux autres. Mais là, ils ont tenté à Bafang à plusieurs reprises. Ils ont compris que les Bafang ne rigolent pas, ils ne peuvent pas tenter ça. Ils ne peuvent pas. Il y a des gens qu'on a envoyés là-bas. Ils ont eu des postes de préfet, de ceci. Ils sont venus avec leur gros titre là, croyant que. Ils vont arracher des terres aux gens, croyant qu'ils vont faire ceci. Il y a des endroits là-bas, à Bafang, ils leur ont dit non, vous ne pouvez pas. Et vous tentez de faire ce que vous faites là. Nous, on va vous montrer qu'ici, c'est nous qui dirigeons. Même si tu es préfet, si tu es maire, tu es ceci, tu es cela, ça ne marchera pas. Ils ont envoyé les Kunga. Les Kunga sont venus là-bas la nuit danser. Ils sont repartis. Ils ont dit, prenez l'endroit, on va voir. Ils n'ont jamais pris jusqu'à aujourd'hui. Ils ne rigolent pas. C'est des gens qui ont quand même ce sens-là de la dignité. Le Bafang est quelqu'un qui ne se laisse pas écraser. Et c'est ce que vous allez voir. Ce n'est pas parce qu'on dit Bamileke qu'on est un ensemble homogène. Non. Même parmi les Bamileke, il y a Bamileke et Bamileke. Les comportements sont différents d'un point à l'autre. Les Bafang, c'est des gens qui ont du caractère. Je parle moi-même étant Bafang. Nzombo du côté de Bafan. Zombo Kotu. Ma chaise au village ne passe pas à côté. Ça, c'est pour les grands, ça. De l'autre côté, c'est Mbok. C'est Sombumbon. Tu ne passes pas à côté comme ça, tu ne rigoles pas. Parce que nous faisons un travail profond. Ce n'est pas n'importe qui. Nous, on a embrassé nos traditions, on a embrassé nos ancêtres. On a embrassé ce travail de continuité. C'est pour ça que nous, on ne rigole pas. On est sérieux dans ce qu'on fait. Si c'était ailleurs, c'est ça. C'est ça le problème. Quelque part, chacun regarde son intérêt et se dit, ah, pourquoi je vais me mobiliser pour l'autre? Ah, ça ne me concerne pas. Jusqu'au jour où, bon, ça frappe à la porte, il se dit, ah, si je savais, je me serais levé pour me battre avec les autres. Mais c'est trop tard. Généralement, c'est trop tard. Et dit, les Bafang ont dit que l'endroit là, aussi Nkoyao, bon, ça c'est les Tunzenshi. Ponda Kungana, ça c'est les Tunzenshi. Ils sont venus, ils ont fait. Ils sont partis. Ils ont dit, embrouillez-vous derrière comme vous voulez, vous n'allez jamais prendre. Jamais! Parce qu'il y a des gens qui arrivent, je suis le préfet, endroit s'est cassé, on va construire telle chose ici. Il arrive sur le terrain de quelqu'un, moi je vais prendre ça parce que je suis le préfet. L'autre là, je vais prendre ça. Et il y a des choses comme ça au Cameroun. Ils utilisent leur titre, leur grade pour prendre les choses des innocents. Ils ont fait ça au Burkina Faso, ça n'a jamais marché. Les orgueilleux, parce qu'ils gagnent l'argent du cinéma, qu'ils ont appelé le FESPACO, Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, ils sont venus, ils ont dit, bon. Cet endroit-ci, nous, on va prendre ça. Nous, on va construire notre siège ici du FESPACO, Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou. Nous, on gagne beaucoup de milliards par an et c'est cet endroit que nous avons choisi. On leur a dit, attention, à cet endroit, vous ne pouvez rien construire parce que
Là-bas, c'est un temple où des grands chefs viennent accomplir des rituels la nuit. C'est là-bas qu'ils viennent faire. C'est leur lieu de sacrifice. C'est leur lieu de rituel. Les grands moros là-bas. Les grands moros, c'est le titre. C'est là-bas qu'ils viennent faire. Ils ont dit non, nous, on est évolués. Nous, on est des gens. Ils sont venus, ils ont donc détruit. Ils ont commencé donc à construire. Ça fait pratiquement 20 ans. Le chantier n'est jamais fini. On ne sait pas ce qui s'est passé. C'est ça l'Afrique profonde. Une autre Afrique. Ils ont dit, OK, comme vous avez donc dit, vous êtes têtu, construisez. Jusqu'aujourd'hui, ils ont commencé les travaux. 20 ans après, personne n'a jamais mis pied là-bas. Pour quelque cérémonie ou quoi que ce soit. Il faut savoir arriver quelque part et respecter ceux qui sont les propriétaires terriens. Respecter ceux qui sont les gardiens de la tradition. Il va aborder le dernier point. Ou l'avant-dernier point, très important. Je vais partir d'un exemple de quelque chose qui s'est passé au Cameroun, n'est-ce pas, pour vous expliquer ce qui arrive aussi ailleurs. Je suis dans le même truc, hein, sauf que moi, je parle ici des présents africains. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre dans le live, je précise, faites un tour de partage. Et n'oubliez pas, pour ceux qui sont intéressés, le lien PayPal est bien là. Vous cliquez juste dessus. Si vous êtes en France, vous mettez 20 euros. Le livre coûte 15 euros, plus les frais d'envoi, 5 euros. Et vous aurez ce magnifique livre dédicacé par moi-même, l'auteur. Le deuxième, ceux qui sont hors de la France, c'est 20 euros, c'est 25 euros. Vous cliquez sur le même lien PayPal et puis c'est 25 euros, les frais d'envoi compris. Donc, je vais donc aborder la troisième, l'avant-dernière partie. Vous avez vu dans centre-sud-est, de toute façon, ces zones-là, l'est de Cameroun et tout ça, c'est entre les mains des Chinois, des Taïwanais, qui récemment là-bas ont acheté 50 000 hectares. 50 000 hectares cédés par le gouvernement camerounais. 50 000. On vend aux gens pour qu'ils viennent faire quoi? Des expérimentations. N'est-ce pas? Vous avez ici espace africain cultivable. On est 75%. Les terres arables du monde, 75% des terres les plus prisées, c'est-à-dire les terres arables les plus prisées du monde, se trouvent en Afrique. Donc il faut qu'on se prépare à une guerre d'envahissement du continent africain. C'est chacun qui va avoir sa portion. C'est chacun qui va avoir son morceau de l'Afrique pour cultiver. C'est ce que les Chinois font un peu partout au Mozambique, beaucoup plus un peu au Tchad et surtout au Niger, où ils ont des espaces de terre incroyables. L'État du Cameroun va donc s'engager dans le cadre de l'agro-business. Une société agricole provinciale de Chine a mis pied au Cameroun pour la première fois en décembre 2015 à l'invitation du Cameroun et sur ordre de Pékin pour investir dans le domaine agricole. 4 ans plus tard, en 2019, on estime à 125 000 hectares de terres agricoles occupées par la Chine au Cameroun. Et on est seulement en 2019, maintenant en 2021. Imaginez combien. Sans compter que il y a de l'autre côté une concession carrément. Il y a toutes les statistiques là, mais si je vais lire, ça va faire très long. 50 000 hectares retrocédés comme ça, cadeau. Paul Biya signe le contrat. Et on verse l'argent dans son compte privé directement. 50 000 hectares aux Taïwanais. Ils ont donc fait ce qu'on appelle un apartheid, un État dans un État. C'est-à-dire que quand tu arrives maintenant au Cameroun, cette partie-là, les Camerounais n'ont pas le droit d'y aller. Ils ont fait donc des barrières partout. Tout ce qu'ils trouvent dans le sous-sol de là-bas, ça l'air, c'est pour eux. Ils font des expérimentations, ils font de la chasse, de l'agriculture, ils font tout. Et comme par hasard, les boulots ne se plaignent pas de ça.
C'est-à-dire, on a détruit vos villages, on a pris vos terres, on a détruit les cimetières de vos parents, on a tout cassé vos cultures, on a cassé tout, détruit même vos lieux sacrés pour faire ce qu'ils veulent. Et quand vous venez vous en prendre à eux, vous dites que maintenant vous êtes en train d'occuper nos espaces de terre, ils disent non, allez à Yaoundé, c'est Yaoundé qui nous a donné l'autorisation de venir ici. Et c'est une prochaine guerre sur le territoire camerounais parce qu'il y a plein de choses qui sont en train de prendre maintenant pour 50 ans. Ça se trouve que le prochain président va dire non, les 50 ans là, nous on va revoir le contrat. C'est là où la guerre va commencer. Ce ne sont pas les Chinois qui ont demandé. Les Taïwanais qui ont demandé, non, Bia a tellement volé, il a tellement détourné, il avait besoin d'argent. Qu'est-ce que Bia fait? Il se rend donc auprès des Taïwanais pour leur dire, bon, on va négocier, j'ai besoin de telle somme d'argent. Chez moi au Cameroun, je vous donne telle partie. C'est-à-dire, ils se mettent à Yaoundé, ils regardent la carte du Cameroun comme ça. Ils disent que bon, c'est ici. Ils ne sont même pas là pour contrôler tout ça. Ils s'en foutent. Ils ont dit 50 000, ils peuvent même prendre plus. Ils ne seront pas là pour vérifier. Je préfère les Chinois aux Bamiléké. C'est de la haine, c'est de la jalousie, c'est de la frustration. Sauf que nous, on ne s'occupe plus de la frustration des Boulous. On ne s'occupe pas de la frustration des Douala, Bassa, Nordistes, des autres Camerounais. Nous, dans le Bamipawa, nous, les Bamiléké, qui ne sommes pas des Bamiléké en tomate, nous qui nous assumons et qui sommes fiers de cet héritage en tant que fils Bamiléké, fiers de l'être, nous, on n'a plus le temps pour gérer ces gens. Vos humeurs ne nous intéressent pas. Nous, on passe à la vitesse supérieure. Avec le projet de Jacques Mounsi dans le projet de Grassfield Water, on doit donner de l'eau potable dans tous les villages de l'Ouest Cameroun. Le litier est en ligne. On cotise tous les jours. On doit mettre des puits, des forages partout. Comme on a mis le goudron partout, dans tous les 8 départements, il y a le goudron. On est en train de travailler dans des vrais projets pour développer l'Ouest Cameroun. Moi, j'ai ma terre là-bas, je vais aller me construire là-bas, chez moi. Même si je construis partout ailleurs, si je n'ai pas construit chez moi, à l'ouest, créer une entreprise pour donner du travail à mes gens, c'est que j'ai échoué. C'est de ça qu'il est question. Les humeurs des autres ne nous intéressent pas. Qu'ils pensent ce qu'ils veulent penser du BAMS. On est si sale, on a des gros ventres, on est femme là. On a aussi ceci. Ils peuvent penser tout ce qu'ils pensent. Oh, je ne donne pas mes terres aux Bamiléké, je préfère donner aux Chinois. Donnez à qui vous voulez donner. Ça, ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas notre problème. Donc, bien fait ça. Il prend l'argent, il met dans quel compte? Est-ce qu'il partage ça à ses frères Boulou et autres? C'est pour lui. Mais les gens sont là prêts à le soutenir jusqu'au bout que papa reste là-bas puisque tu es du village. Et Bia n'est pas le seul en Afrique. Ils sont nombreux, je vais vous prendre quelques présidents africains qui l'ont fait. Pas à la demande des étrangers, non. Ce sont eux-mêmes qui vont contracter des dettes auprès de ces, parfois des bailleurs de fonds, parfois des personnes privées. Regardez ce que l'autre fait au Congo, Dan Kettler. La famille Dan Gettler, son fils qui est là maintenant, Dan Gettler, son père est là-bas depuis avant même les indépendances, l'indépendance du Congo. L'or, le diamant et tout ce qui sort du Congo, c'est une famille des Juifs. La famille Dan Gettler qui contrôle tout ça. Comme toutes les richesses de l'Afrique du Sud, 80%, c'est contrôlé par un cercle, la grande famille Oppenheimer. C'est des choses que vous devrez connaître. C'est pour ça que je ne fais pas des lives juste pour faire des lives. Je fais des lives, je vous sors des informations, je vous apporte des éléments de culture générale, je vous apporte plein de choses dans mes lives. Quand tu sors du live, au moins si tu as appris une, deux choses. Il n'est pas important de faire un live pendant 1 h 30, 2 h, crier seulement que Paul Biya va partir, Paul Biya va partir, Paul Biya va partir. La famille Oppenheimer, la famille Dan Gettler au Congo. Vous avez le même cas au Kenya. Le président Uhuru Kenyatta a accepté de céder une partie du territoire aux descendants d'Indo-Pakistanais qui font aujourd'hui partie intégrante du Kenya. Ils appellent ça la 44e tribu du Kenya. Pendant qu'ils se font dans la guerre entre les Luos et les Kikuyu,
De l'autre côté, vous avez des Indo-Pakistanais qui sont là tranquilles. Le Kenya, c'est chez eux. Sauf que tous ont des passeports indiens, ils ont des passeports américains, des passeports. Parfois, ils n'ont même pas de passeport kényan. Or, ils sont nés, ils ont grandi au Kenya. Ils ont leur ville à eux, au point où quand tu arrives, tu vois les écritures, c'est en indien. Tu as l'impression que tu es dans une rue d'Inde ou bien de Pakistan. Ils vivent là-bas depuis des générations. Ils ont construit leur mosquée à eux. Le nègre ne passe pas là-bas prier. Ils ont construit leur centre culturel. Ils ont, en fait, c'est une sorte de l'Indo-Pakistan, c'est le Pakistan et l'Inde bis, qui se retrouvent quelque part dans un coin perdu d'Afrique. Ils se moquent tous les jours et méprisent au quotidien les Kenyans. C'est ce qu'ils ont fait en Zambie, c'est ce qu'ils ont fait un peu partout. Mais parfois, je dis bien ceci de façon claire. Ce n'est pas la volonté forcément de ceux-là. Là, c'est un fait de la colonisation ramenée par des Anglais. Mais ils auraient pu fondre dans la population kényane. Non. Ils ont préféré créer leur cercle entre eux et ne jamais verser dans le métissage. Mais il y a des nègres en Europe qui disent que non, si on arrive, on ne se met pas avec des blancs pour avoir des métisses. C'est qu'on ne sait pas s'intégrer. Mais ils sont là-bas depuis 1900. Ils disent quelque chose comme ça au Kenya. Ils ont pu se maintenir jusqu'à aujourd'hui. Jamais ils vont épouser un Kenyan. Ils peuvent sortir avec, ils vont binda faire tout ce qu'ils veulent. Mais quand il s'agit de faire leurs enfants, assurer leur descendance, ils ne font jamais ces erreurs. Les Syro-Libanais qui sont à Haïti sont là-bas depuis plus de 2 siècles. Les Syro-Libanais. Le premier qui est arrivé là-bas, le premier Syro-Libanais qui est arrivé là-bas à Haïti, il aurait pu fondre dans le métissage. Il est sorti avec une femme noire pendant 15 ans. Il ne l'a pas épousée quand il fallait se marier. Il a allé dans son pays chercher sa femme, il l'a ramenée, ils ont fait leurs enfants. Aujourd'hui, ce sont eux les plus puissants qui possèdent l'économie de toute l'île. Ils sont toujours là. Quand vous regardez les enfants, des enfants, des enfants, ils ressemblent à leur premier ancêtre qui était venu là-bas s'implanter. Ce n'est pas le fruit d'un hasard. Il y a 8% de blancs sud-africains jusqu'à aujourd'hui. Demandez-vous pourquoi en 2 siècles de présence en Afrique du Sud, les mêmes 8% sont là, ils n'ont pas disparu. Ils se sont maintenus, ils se sont multipliés entre eux, ils ont fait leur cercle fermé. C'est comme ça qu'on avance. Vous avez des parents qui accouchent leurs enfants en Europe et qui leur disent que si je te vois avec un Camerounais, si tu me ramènes un noir ici, tu vas me sentir. Épouse le blanc, épouse ci, épouse ça. Ramène-moi l'arabe, ramène-moi le chinois, tout sauf un noir. Le seul capable au monde de le faire, c'est le seul, c'est le noir. C'est-à-dire qu'il se déteste, il arrive à se détester lui-même. Pour finir avec le Kenya, le président à l'époque qui a pris le pouvoir en 78, juste après le père de l'indépendance, Jomo Kenyatta, qu'est-ce qu'il fait? Arabe Moi, il s'appelle. Il s'appelait Arabe Moi. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller nouer des contacts lui-même. C'est lui-même qui va aller chercher des Américains pour dire aux Américains, je veux vous laisser une partie de mon territoire pour créer votre base militaire américaine. Mais seulement ce que je veux, donnez-moi le maximum d'armes pour dominer ma population. Voilà comment un dictateur pense. Il n'a pas préparé l'avenir. Non, il ne pense qu'à lui maintenant. Ce qui l'intéresse, c'est maintenant son pouvoir, protéger son clan, protéger sa famille. Et dominer son peuple. Et pour dominer son peuple, il a besoin de quoi? Il a besoin des armes. Il va donc lui-même dire aux Américains, venez prendre. Je vous donne une partie du territoire. Installez votre base militaire, faites ce que vous voulez. Sauf que mon pouvoir doit être protégé. J'ai commencé par Paul Biya. Je suis passé par le Congo avec Dan Gettler. Je suis passé par l'Afrique du Sud avec la famille Oppenheimer. J'aurais pu aller plus loin dans en prenant des exemples. Salut mon frère Jules qui est dans le live, mon grand. J'aurais pu citer encore, il y a plusieurs familles, plusieurs comme ça qui se sont. Je suis parti même, j'ai pris l'exemple d'Haïti. Mais je reviens en parlant des présidents, des chefs d'État. Et ces hommes d'affaires que je cite là ont l'aval pour faire tout ce qu'ils font là. Ils ont l'aval des présidents de la République. Ce qui se passe aujourd'hui en Afrique du Sud, 5% de revenus des platines exploitées en Afrique du Sud, ça revient dans les poches du président actuel qui est Cyril Ramaphosa. Ramaphosa est l'ami privilégié de la famille Oppenheimer. Et quand les Sud-Africains descendent dans les rues, pour réclamer, n'est-ce pas, ne serait-ce les meilleures conditions de vie, pour revendiquer,
C'est bien Cyril Ramaphosa qui envoie l'armée sud-africaine, la police, tirer sur les populations. Mais il protège derrière la famille Oppenheimer, qui est tellement riche. Oh, le même Cyril Ramaphosa a fait la prison au temps de l'apartheid. Il était dans la même prison avec Nelson Mandela. Donc, je parlais de Arap Moi ici au Kenya. Arap Moi va le faire. À côté, vous avez l'exemple le plus parlant. C'est l'exemple de Mobutu Sese Seko Kuku Wendo Wa Zabanga, roi du Zaïre. En 1974, Mobutu va nouer des contacts avec un Allemand qu'on appelle Frédéric Naïman. Bien avant, ils vont d'ailleurs nouer le contact bien avant. Mais en 1974, il va se passer quelque chose d'historique dans l'histoire du Congo et même de l'Afrique. C'est que cet homme d'affaires allemand va faire venir au Congo, va organiser au Congo l'un des plus grands combats de l'histoire. Le combat entre George Foreman et Mohamed Ali. Ça va se passer à Kinshasa. Cet homme d'affaires, l'année suivante, en 1975, va proposer un projet gigantesque, pharaonique, à quelqu'un qui était d'ailleurs un fou, qui était un mégalomane, Mobutu, qui va lui dire, mais ça tombe très bien. Si tu me proposes des roquettes, tu me proposes en même temps une sorte de fusée, je serai l'un des premiers en Afrique. Et surtout, cet instrument va me permettre de mieux exploiter mon peuple et surtout d'espionner tous les pays voisins du Congo, en allant jusque dans le Grand Lac. Parce qu'une partie du Congo est dans les grands lacs, jusqu'en allant vers le haut, comme ça, vous traversez par le Soudan. Je rappelle que quand on parle du canal de Suez, ça prend sa source dans les grands lacs, notamment au Congo. Ça traverse pratiquement 13 pays, même si le principal bénéficiaire aujourd'hui, c'est l'Égypte, à travers le canal de Suez. Mobutu va donc accepter ce gigantesque projet, ce projet pharaonique sur son territoire. Mais comme c'est un mégalomane, il veut dominer tout le monde, il veut commander tout, il veut contrôler tout en Afrique. On lui monte une espèce de fausse fusée. On fait venir une quarantaine, cinquantaine d'ingénieurs d'Allemagne. On dit, bon, on va te fabriquer un truc et tout. Mobutu, il est content. En retour, qu'est-ce que Mobutu fait? Il va donc rétrocéder une partie de son territoire, 100 000 km², au Katanga. Il va aller prendre une partie du Katanga. Il va dire donc à cet Allemand, ça t'appartient, prends ça en récompense. En 20 minutes, le contrat avait été signé. 20 minutes. Ils se sont rencontrés. Mobutu a dit, ok, bon, alors, est-ce que tu es d'accord? Tu fais venir les ingénieurs? Ok, ça va me permettre de rassembler les informations. Je vais dominer, si je vais, blablabla. 20 minutes. Il a mis le truc, il a signé. 100 000 km². Ce n'est pas le monsieur qui est venu négocier. Hein. C'est Mobutu lui-même qui va aller chercher. Prends donc une partie de mon territoire. Regardez comment ces chefs d'État sont prêts à vendre leur continent. 100 000 km², c'est l'équivalent. C'est bien plus que la superficie de tout un pays comme le Portugal. 100 000 km², c'est trois fois la superficie de la Nouvelle-Zélande. 100 000 km², c'est presque quatre fois la superficie de la Belgique. C'est deux fois et demi la superficie d'un pays comme la Suisse. 100 000 km². C'est pratiquement la superficie de la bande d'Aouzou, cette partie-là du sud de la Libye que Kadhafi voulait arracher au Tchad, qui a fait des milliers de morts en 14 ans de guerre. 100 000 km², c'est énorme. Il y a plusieurs pays dans le monde qui ne font pas 100 000 km².
Le Togo fait, je crois, 27 000 kilomètres carrés. Il y a des pays qui font 20 000, 15 000, 18 000, petits pays. Tu vas prendre une partie de ton territoire. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu vas livrer ton territoire comme ça. Il n'y a pas qu'un seul exemple. Si je veux faire prendre des exemples ici en Afrique, j'irai peut-être plus loin. J'ai presque fini mon live. Ça fait 1h36 que je suis en ligne. Donc, je suis allé pays par. J'ai pris quelques exemples. Des cas comme ça, il y en a en Afrique. Des cas comme ça, il y en a en Afrique. Il y a le président Yadema à l'époque, va, alors que son pays est une ancienne colonie de l'Allemagne. Le président Yadema va inaugurer à Lomé une sorte de mémorial, si vous voulez, avec un buste et tout, où il va rendre hommage aux Allemands, idiots de son État, incultes, illettrés, tout. Il va faire 42 ans finalement au pouvoir. Et c'est lui qui va adouber, apprécier un pays qui a causé des massacres au Togo, dans son propre pays. Le Togo est une ancienne colonie allemande qui est confiée à l'ONU après, à la SDN d'abord, Société des Nations, et puis ça va passer SDN, je veux dire, ça va passer à l'ONU après. C'est comme la Namibie, le Togo, le Cameroun, mais parlant beaucoup, notamment les deux pays, Togo, Cameroun, qui étaient, pardon, conjointement gérés, n'est-ce pas, par... Ces deux territoires étaient gérés par l'ONU et adossés, on va dire, qu'on avait finalement joint à l'AEF, Afrique équatoriale française-Cameroun, et puis AEOF, Afrique occidentale française-Togo. Ancien territoire des conquêtes, des conquêtes allemandes. L'autre va le faire ici, Congo-Brazzaville, plus proche de chez nous. Denis Sassou Nguesso. Il a inauguré récemment un mausolée pour sa fille, sa défunte fille. 14 milliards de francs CFA. Ses brosses à dents, ses caleçons et tous ces trucs. Il va prendre l'argent de tout un peuple, 14 milliards, alors qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Il va aller construire ça. Il va confier la construction à qui? À une société occidentale. Il dit, bon, construisez ça. Faites comme vous voulez. Ça coûte combien? 14 milliards. Il va signer le même jour. Pire. Il va construire un grand mausolée en plein cœur de Brazzaville. Pour rendre hommage à qui? À Pierre Savognan de Brazza, le violeur déséquilibré, ce fou qui a violé nos mamans. Il était spécialiste des viols en série en pays Bateke. Il arrête femme par femme en une journée, peut violer une cinquantaine. Quand il n'est pas content, il prend des tessons de bouteilles, comme des bouteilles comme ça, il casse, il enfonce dans le vagin de nos mamans. Fou, Savognan de Brazza. Il sera enterré en Algérie après sa mort. Le fou qui est au pouvoir, là, Dany Sassou Nguesso, va aller payer, c'est-à-dire il va aller louer, comprenez très bien. Il va aller rencontrer la famille Savognan de Brazza, il va leur dire, ok, je vais louer, parce qu'il était déjà enterré. On va donc le déterrer, on va faire un cérémoniel, on va déterrer les ossements. Il va prendre ses ossements, revenir avec au Congo, construire un grand mausolée à l'intérieur où il rend hommage à Savognan de Brazza. J'avais déjà expliqué ça dans plusieurs de mes lives. Mais il faut répéter, ce n'est pas gênant parce que ce n'est pas les mêmes gens qui suivent des lives tous les jours. Donc il va donc louer à la famille et tous les mois, il y a une somme d'argent qui verse à la famille de Savognan de Brazza. Et ils vont donc venir, il va donc venir installer ça chez lui, dans ce grand mausolée qu'il va construire. Et à l'intérieur, il va faire donc un temple de la franc-maçonnerie où il rend hommage à ces gens avec qui ils sont souvent dans de ces trucs, dans ces liens, de ces ramifications maçonniques, on ne sait pas comment. Son peuple est en train de mourir de faim. Son peuple meurt. Il va mettre tellement d'argent, tout à l'intérieur, c'est le marbre, hein, c'est du marbre.
pur. Ça a coûté, je ne sais pas, une quarantaine de milliards, bien plus que ça. Coûté énormément. Tu as à côté Fulbert Uroux, qui est considéré là-bas, on va dire, comme le père de l'indépendance, l'abbé Fulbert Uroux. Son tombeau est juste derrière. Abandonné non loin du cimetière qu'on appelle cimetière Kadhafi. Il y a un cimetière à Brazzaville qu'on appelle cimetière Kadhafi. C'est Muammar Kadhafi, c'est son œuvre. Quand Kadhafi décide d'envoyer son chef de service secret, qui est son beau-frère, infiltré, entrer dans un avion qui va faire escale au Tchad, il va rentrer dedans, il va déposer une bombe et ressortir. L'avion va exploser dans le désert du Ténéré. Ça, c'est l'œuvre de Kadhafi, qui est un grand héros pour certains naïfs africains. Kadhafi va sacrifier cet avion l'UTA, le DC-10 de l'UTA. L'avion va exploser dans le désert du Ténéré, au Niger. On va retrouver des morceaux partout. Il y aura plus de 100 personnes dans cet avion venant du Congo-Brazzaville. Et ils vont donc retrouver quelques restes qui vont aller enterrer là-bas. Ils vont appeler ça cimetière Muammar Kadhafi. Cette guerre a opposé la Libye de Kadhafi au Tchad et des peuples alliés, des pays alliés qui se sont, n'est-ce pas, alliés au Tchad pour combattre Muammar Kadhafi. Ça a duré 14 ans. De 1973 à 87, année de ma naissance. Muammar Kadhafi a participé au massacre des milliers d'Africains qu'il sacrifiait, il égorgeait comme ça, matin, midi, soir. Il égorgeait, matin, il passe là, des balles dans la tête, des fois, il n'est pas content, son armée, on égorge, sans compter qu'il égorgeait ses propres populations, égorgeait l'armée, même une partie de l'armée qu'il avait finalement sacrifiée. Je vous ai déjà certainement parlé de ça dans un autre live. Sauf que quand je prépare des lives super intéressants, il y a très peu de monde. Quand on fait le Japap de l'autre côté, il y a 3000 personnes. Les Africains, je ne sais pas comment ils veulent le changement, mais on veut un changement sans fondement, on veut un changement sans base, on veut un changement juste qu'on veut peut-être voir. Le changement, ça passe par là, par l'apprentissage, par la sensibilisation, par plein de choses. J'arrive, tu arrêtes de toquer là. J'arrive, tu arrêtes de toquer, point. Voilà. Donc, le dernier point ici, c'était pour. Parce que je suis passé par là. Quand je parle de sensibilisation, je parle de l'éducation, je parle de tout ça, pourquoi? Parce qu'il est important d'apprendre. Il est important de se cultiver. Il est important de lire. Il est important de voyager. Il est important. Moi, je fais ce travail-là. Je fais ça avec passion, avec plaisir, pour ma communauté. L'autre jour, moi, j'étais au musée du Louvre. Je suis allé, j'ai fait une vidéo exprès, j'ai pris le temps d'expliquer qui est Colbert, qui est Milon, qui est Richelieu, qui est le cardinal Mazarin, qui est qui est qui est qui est. J'ai pris tous ces exemples-là pour expliquer, pour vous dire, mais c'est ici que ça se passe. Ne laissez pas nos enfants dans les banlieues. Il y a des enfants ici nés, grandis dans les banlieues qui n'ont jamais mis pied à Paris. Ils font quoi là-bas? Sortez-les de là. La France, c'est pour tout le monde. Nous avons notre participation dans l'essor de ce pays. On ne peut pas se comporter en France comme si on était des étrangers. Faisons découvrir. Je fais ce travail-là avec parfois des jeunes des cités que j'amène pour leur dire, voici une autre partie de la France. La France, ce n'est pas que rester au quartier, parler de rap, de tatouage toute la journée. Non. Il faut faire ce travail de sensibilisation. Et les Kémites devraient plutôt s'engager. Là, je vais embrayer le dernier point. Ça me permet d'aborder le dernier point. Ceux qui parlent kémitisme matin, midi, soir, on est des kémites, ils mettent des croix de Ankh, ils crient tous les jours, ils parlent du tout n'importe quoi. Et ce sont ceux-là qui sont en train de détruire le kémitisme. C'est ceux-là qui sont en train de détruire. C'est ceux-là même qui donnent une mauvaise image du kémitisme. Le mouvement Kémite n'est pas que du matu vu. Le mouvement Kémite n'est pas que du bavardage. C'est de la formation. C'est des études. C'est du travail. C'est plein de choses. C'est par là même d'ailleurs que ça commence. Mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui parlent du kémitisme, ils n'ont embrassé qu'un seul aspect, l'aspect spirituel, dont ils n'ont même d'ailleurs aucune connaissance. Je ne parlerai même pas de l'aspect spirituel, parce que là encore, ils sont tellement plus nuls.
Je parlerai de l'aspect, on va dire, restons sur le cadre religieux. Il y a des gens maintenant qui sont devenus des, je sais pas, des prêtres de la religion traditionnelle africaine. Ils se prennent pour je ne sais quoi, qui organisent des vidéos, qui disent aux gens comment ils vont bénir les gens. Ils disent, organisent des vidéos pour dire comment ils vont faire quoi là. Ils vont initier les gens. Je suis un initié, je vais t'initier. Et l'Africain qui a cette propension à verser dans la facilité, cette propension à croire qu'avec une formule peut-être magique, il deviendra un grand initié, ou pour eux, ils pensent qu'être initié, c'est avoir un pouvoir sur les autres, ou être initié, c'est avoir une certaine formule magique qui permet de s'envoler. Je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête. Je voulais finir juste en abordant cette question. J'en ai parlé dans d'autres lives. Mais c'est juste effarant. Quand je vois ça, je dis, mais il y a un problème quelque part. Je vous amène au bois de Boulogne. Je vais vous faire des initiations au bois de Boulogne. Il y a des gens qui payent 2000 euros pour se faire initier. Il y a des gens qui payent 1000 euros pour se faire initier. Mais c'est quoi ça? Tu payes de l'argent à un idiot qui te dit qu'il t'initie. Il t'initie à quoi? Les paroles qu'il te demande de prononcer, tu prononces. Tu sais que ça veut dire quoi? Tu sais que l'énergie que tu déboses, cette énergie, cette parole, parce que la parole est quelque chose de, en même temps, qui a cette dimension très spirituelle, mais en même temps qui a l'air de quelque chose de simple. La parole, c'est une énergie que tu, en quelque sorte, propages dans la nature. La parole, c'est pour ça qu'on dit que la parole, elle est sacrée. C'est pour ça que nos vieux, quand ils parlent, ils ne parlent pas n'importe comment. Ils savent ce que parler veut dire. C'est des grands initiés. C'est les maîtres de la parole. Ils savent ce que c'est. Ils maîtrisent. Ils ont déjà pu percer ce mystère. Vous avez quelques idiots qui s'habillent en tenue, je ne sais pas quoi, africaine. Ils prennent des chapeaux, ils mettent des trucs. Ils disent qu'ils sont des grands initiés. Maintenant, c'est devenu la mode de suivre un initié. Tu lui poses une seule question, où se trouve ton village, il ne connaît pas. Le rapport que tu fais entre la religion traditionnelle africaine et la spiritualité, il ne connaît pas. Des tas d'idiots qui sont sur les réseaux sociaux tous les jours. Et qui se passe pour tout et n'importe quoi. Ils disent qu'ils initient les gens. Une autre m'a appelé la dernière fois qu'on lui a proposé une école de quoi? On demande 2000 euros pour intégrer cette école kémite. Et en plus de ça, on allait lui faire une initiation quelque part, on lui a pris 2000 euros. Il dit, mais tu viens de me parler de ça maintenant, pourquoi? Parce que tu es en train de te plaindre. Quand tu partais, tu m'avais demandé non. On est allé t'initier. Qu'est-ce qu'on t'a donné là-bas? L'initiation? On vous a dit qu'on initie les gens dans les jardins de Paris. Où on initie les gens dans les jardins de Paris? On vous a dit que pour initier quelqu'un, on prend l'argent? Non! On ne prend pas de l'argent pour initier les gens. Allez dans vos villages, allez apprendre, allez dans les sociétés secrètes, allez dans les centres initiatiques, allez dans les écoles millénaires. Mon Dieu. Bon, je vais m'arrêter là. Je pense qu'on est resté ensemble 1h48. C'est assez. Je pense que j'ai pu, voilà. Dit tout ce que je voulais dire. J'espère que j'ai été pertinent. J'espère que je vous ai apporté un plus. Alors, si voilà, c'est le cas, n'est-ce pas? Si vous voulez bien encourager, tout ce que je demande, c'est le partage. Et pour ceux qui n'ont pas encore acheté mon bouquin, le bouquin, il est toujours là. Vous pouvez juste cliquer sur le lien PayPal et puis passer votre commande. C'est très simple. 20 euros pour ceux qui sont en France et 25 euros pour ceux qui sont à l'étranger. Vous envoyez votre adresse complète. Vous le recevez sous 24 heures, 48 heures pour ceux qui sont à l'étranger, 48 heures. Donc, j'attends vos commandes. Je vais cliquer en espérant d'ailleurs que pendant que je crie là, j'ai crié 2 heures, 1h48, presque 2 heures. J'espère que vous avez au moins acheté un, deux livres pour m'encourager. C'est souvent ça le problème de l'Africain, c'est que généralement, on prend pour rien, on puise pour rien des connaissances. Mais ils ne savent pas derrière que les connaissances, ça se paye. Quand je vous sors ça, parfois, les gens ont l'impression que tout ça, c'est facile. On ramasse ça, non? C'est des heures de conférence, c'est des heures d'études, c'est des heures de travail, c'est des heures de lecture, c'est des heures de plein de choses. Plein de choses. Et ça se paye, tout ça. Pour assister à une seule conférence, ça me prend 15 euros. Ça, c'est la moins chère. Moins chère, c'est 15 euros. Donc, je suis... Depuis que je parle, les gens, s'il a 0 euro dedans dans le compte. Même un livre, vous n'avez pas acheté. Non, c'est pas sérieux.
Je vous ai même fait un live pour dire que un post pour dire que je suis gay, soutenez-moi, je suis foiré le tout, si c'est très grave. Achetez même les livres pour m'encourager. Oh, mettez quelque chose dans le PayPal qui est là, quand même. Les bouquins sont là, j'ai passé des commandes récemment. Les bouquins sont là. Si j'avais assez d'argent, j'aurais fait déjà la version anglaise du livre. J'aurais fait la version. On aurait traduit le livre dans plusieurs langues. On aurait fait une sensibilisation en Afrique. On aurait fait. J'avais plein de projets quand je sortais le bouquin. Il faut faire une. C'est toujours en projet, c'est toujours en cours. M'offrir déjà moi-même une première caméra. La caméra, c'est. On est dans les 3 500 euros pour une vraie caméra. Pour le tournage des films documentaires, faire des caravanes en Afrique, aller sensibiliser, aller dans des frontières, aller rencontrer, à la rencontre des migrants, plein de choses. Mais la communauté, on s'en fout. Malheureusement, les gens s'en foutent. Il y a notre sœur Isabelle Pouma qui est morte l'autre jour dans le désert. Les gens ont crié, non? C'est passé, on est passé à autre chose. Les gens n'ont pas demandé par la suite, on fait comment pour accompagner sa famille? Sa mère qui est en souffrance avec ses 2 enfants, comment on fait pour les accompagner? Comment? Il y a plein de choses. Plein de choses qu'on fait derrière. On n'est pas solidaire. Chacun se dit, ah, ça la regarde, ça ne me concerne pas et ça ne me concernera jamais. Malheureusement, voilà où on en est. Merci à vous qui avez pris le temps de regarder le live. Merci à ceux qui ont soutenu à travers les likes, mais surtout les partages, ce qui est le plus important. Les likes et le cœur de temps en temps, ça fait du bien. J'adore le cœur en plus. Surtout le cœur bien rouge là. Surtout le cœur qui vient des femmes, des belles femmes là. J'adore. Et surtout les partages, c'est très important. Parce que quand vous partagez, ça s'affiche sur votre page. Ceux qui sont sur votre page peuvent être notifiés. Eux aussi, s'ils repartagent, ça fait que ça peut. Voilà, ça. Donc, je vais arrêter le live ici sur. YouTube, voilà. Et après, je vais arrêter sur Facebook. Merci à vous. Je vais m'arrêter là.